Et bonsoir YouTube! Et encore un noyeux Joël, même si c'est déjà passé. Comment allez-vous tous? Salut Pierrick, salut Lucas, salut Alex, salut Arnaud, salut Rémi, salut Hugo, salut Gamer, salut Tintin, salut MD16, salut Erwan, salut Mickaël, salut Gamer du 24, salut Garry's RP, salut Lucas, salut Tintin. Salut Sam, salut Kilio, salut Bizadash, salut Fermé Lucas, salut Kev, salut Agri Conseil, salut Lian, salut Bizadash, Hard Game, salut Bas Thomas, salut Thomas, salut Mathéo, salut Alexis, salut Mister Starius, salut Yoléo, les amoureux de tracteurs, salut. Pourquoi il n'y a pas eu 2000 vaches, Florent? Il y a eu quoi ce week-end? Il y a eu un petit peu Noël. On a un petit peu tous des vies de famille quand même à côté. On a un peu tous des vies aussi privées d'un côté. Donc nous n'avons pas pu tourner l'épisode que vous retrouverez à la rentrée. Là, on va faire peut-être quelques petits lives comme ça dans la semaine. Et on va reprendre la vie normale à partir de la semaine prochaine. Voilà. Tu fais les betteraves? Non. On fait quoi ce soir? On va faire un peu de ferme de lin. Hello, nouvelle coupe pour les fêtes. Laisse-moi te souhaiter de très belles fêtes et une belle fin d'année. De même, Damien. Salut, je fais de la canne à sucre Xbox One. Salut, je suis Brajank. Je goûte l'eau. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à toi, Mickaël, et bon courage. Fais une rencontre à Beau STP. Ça, on reprendra en début d'année aussi. Est-ce qu'il y a des mods sur ton site? Alors oui, Erwan, ça arrive petit à petit. Vous en avez un par jour là qui sort. Ça nous prend un peu de temps quand même pour les mettre en place. Donc on a eu quelques petits bugs là. Il y en a qui ont pu s'en apercevoir hier encore. Donc on essaie de corriger tout ça. Donc on en met petit à petit des mods. Donc voilà. Donc ça va arriver petit à petit. Là, il y a quoi déjà? Il y a deux tracteurs. Bah c'est simple, on va faire ça. Tiens, allez, hop. Hop, 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 la page, elle est là. Tac. On va faire comme ça. Piouf. Donc, en mode, quand vous arrivez sur le site, hein, vous avez donc les modes, enfin les modes, les dernières actualités. Donc, sur le site, il y a ma map, mais pas la version que vous avez ce soir, parce que c'est encore une version où moi je travaille dessus. Hop, donc vous avez la ferme de lin. Vous avez des tracteurs déjà, vous en avez deux. Le Massey et Ferguson qu'on utilise dans les 1000 vaches. Et le Newland T7 qu'on utilise dans la série Je recherche ma ferme. Hop, vous avez une moissonneuse aussi. John Deere. Vous avez un script qui est le Chopestro. Le Chopestro, vous pouvez le prendre aussi pour ma map. C'est ce qui vous permet d'épandre quand vous passez avec la moissonneuse. Salut Léo, ça va? Pas de spam, attention, tu vas te faire time out. Le Chopestro, ça étale la paille derrière vous en fait. Et ça vous permet de fertiliser votre champ en fait. Voilà, tout simplement. Et vous avez un semoir pour l'instant, le rab qu'on a utilisé dans les 1000 vaches aussi. Ah non, je fais pas de live le nouvel an. Léo, tu vas te manger un time out. Salut Farmer. Salut Guy. Salut Joris. Salut le simulateur de l'un. Moi je suis. Mais en même temps, je regarde ça, plus belle la vie, c'est ça, plus belle la vie, purée. Salut Bastien. Donc voilà, donc vous avez quand même quelques modes, il y en a un qui va sortir demain. Je sais pas encore quoi. Hein. Sur quelle map ce soir? Sur la mienne. Bonsoir, j'ai des trucs à pas vous dire. Ah, bah, dis-les-nous pas, Thomas. Il y aura du PUBG après ou pas? Je ne sais pas. Tu es avec qui? Pour l'instant, il y a Joe. Il y a Joe. Pourquoi il n'y a pas eu 1000 vaches? Parce qu'il y a eu Noël, tout simplement. Coucou, j'ai raté de quoi jouer Noël. Salut Agri du 58, joyeux Noël à toi. Montre comment il faut faire pour installer ta map STP. Bah tu vas dessus. Tu cliques sur la ferme de lin. Tu descends. Tu cliques sur télécharger. Tu cliques sur télécharger libre. Ça va t'ouvrir une deuxième page. Cette page là, tu la fermes. Tu recliques sur télécharger. Et là, ça va te mettre le lien pour télécharger dans notre file. Tu la télécharges dans ton répertoire mode, comme tous les modes que tu télécharges, et t'auras la map. Oui, c'est ça, Damien.
c'est le renom. Cool, demain je vais avoir mon PC et je vais pouvoir télécharger ta map. Guy, comment on fait pour jouer sur un jeu avec un volant, un joystick et un pédalier? Bah, je vais le brancher puis le configurer. PUBG après, pourquoi je sais pas. Pourquoi j'y ai jamais fort? Parce qu'il a des problèmes de connexion ces derniers temps. Là, ça va un petit peu mieux, donc il va revenir. Normalement. Normalement, il est censé être là ce soir. Normalement. Mais bon, il est pas mal occupé avec son boulot aussi en ce moment, donc... oui, Thomas, je travaille pour qu'elle soit compatible saison. C'est bientôt le cas. Donc, voilà, quoi. J'ai eu mon G29 à Noël. Bah, c'est cool. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le jeu. Hop, alors je regarde s'il est à peu près calé. Non, il est pas cadré. Hop, on va le recaler. Tac. Voilà, là il est collé. Salut Chunko. Fait de l'ensilage STP. Non, on va s'occuper des cochons. Elle sort quand? Alors, la version bêta est déjà sortie. Le simulateur poids de vin. Vous avez déjà une version jouable avec pas mal de défauts, pas mal de bugs encore. Celle-là devrait sortir courant janvier. Voilà, à peu près. Je continue encore à travailler tous les jours dessus. J'ai fait pas mal d'avancées, j'ai fait pas mal de corrections. J'essaie de la diminuer en poids parce qu'elle fait quand même 1,3 Go pratiquement. J'essaie de la diminuer énormément. Donc voilà. Non, il n'y a pas eu d'épisode des 1000 vaches aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il y a eu Noël, on n'a pas pu tourner, les amis. Voilà. Je vous ai mis un message sur le Facebook. Moi, je pense que pour Noël, vous êtes fait autre chose que tourner des vidéos. Donc, nous, c'est pareil, on a fait autre chose que tourner des vidéos. Salut les gars, comment allez-vous? Avez-vous passé un bon Noël? Au Noël tranquille, pépère. Il y a un souci sur un champ. Il y a un trou où on peut pas semer. Ah! Est-ce que vous allez faire une fac? Alors, il y avait la fac qu'on avait commencé cet été. Il faut que je me la termine là. Mon T150 Guigui, est-ce que c'est dur de le mettre pour jouer à GTA avec? Alors, pour jouer à GTA au volant, c'est une horreur. Et d'une part, en plus, c'est pas terrible du tout. J'ai essayé, moi, c'était avec le Driving Force GT. Il y a une latence de mort. Parce qu'en fait, il faut que tu simules. Il faut que tu passes sur un logiciel qui simule ton volant en manette. Et c'est une horreur. Il va falloir recommencer une partie. Alors, Tommy, oui et non. Je vous expliquerai tout en vidéo quand vous allez avoir la nouvelle map. Faudra juste mettre tout votre tracteur, tout votre matériel à un point donné de la carte. Et il y aura juste les cultures qu'il faudra remettre à zéro, en fait. Voilà. Genre, deux Noël, celui de dimanche et un autre jeudi soir. Bah, c'est cool. Salut Bobo. Deuxième question, quand par exemple tu laboures, est-ce que les raids de labour suivent? Oui. Attends, j'ai pas le temps de... Suivent toujours la même que celui de la charrue, où il y a que les directions tout droit, j'espère que tu vois ce que je veux dire. Oui, elles suivent les traces de charrue. Hop, donc les amis... Joyeux Noël, Guigui. El Kiki, merci pour tes 10€, bah ça commence bien. Merci. Tu la sors la fac quand tu auras... Tournez la prochaine. Ouais, c'est ça, après Shank. Salut Benji. Alors, les amis, hop, petite nouveauté. Hop, sur la maison. Donc là, je suis au cochon. Hop, je suis au cochon. Donc la porte est ouverte. Hein? Oh, elle est ouverte. Mais comme vous voyez, les volets sont fermés. Ah, c'est ballot. Bah oui, parce qu'on peut les ouvrir, les volets. Voilà. Hop, on va ouvrir les volets. Y'a un lardif, ouais. Hop. On va s'ouvrir les volets. Tac. Hop. Comme ça, il y aura de la lumière dans la maison. Est-ce que t'as une copine? Non. Salut, joyeux Noël à tous. J'ai une question, comment... Tu trip mode par petit mode, par gros mode. Moi je trie en fonction de comment ça arrive en fait. Hop, on va voir là.
Pouf. Voilà, la maison est ouverte. Tu te fais cambrioler, y'a plus rien dans la baraque. Ouais, y'a plus rien dans la baraque. Ah bah non, y'a encore ceux-là à ouvrir les volets. Merde. Il y a encore de l'herbe hein, qui traîne, hein. J'ai encore pas fini de tout corriger. Non, il est pas là ce soir, si propre. Tu as perdu des poils, je crois. Ouais, carrément. Que je t'ai montré, c'est vite. D'accord. Mais où sont les meubles? Il arrive avec les déménageurs bretons, c'est ça. Hello, tu dures. Est-ce qu'on peut prendre l'eau? Alors, où est-ce qu'on peut prendre l'eau sur ta map? À Veolia. Hop, on va fermer la porte. Hein. Alors, les sous-sols, tout simplement, parce que si je creuse les sous-sols, faut que je travaille autour des maisons, donc je vais y travailler, mais pour l'instant, non. Salut Thierry. Hop, Vincent. C'est qui Vincent? C'est Jonathan. Hop, voilà, la maison est ouverte. Y a Joe pour l'instant. Oui. Voilà, donc là, c'est pareil. Donc là, vous avez un petit bout d'atelier. Hein. J'ai encore un meuble qui est dans le sol, faut que je le corrige celui-là. Hop, je vais me faire des screens, comme ça moi je sais où ce qu'il faut faire. Donc là vous pouvez configurer vos tracteurs, vos ensembles, tout ce que vous voulez. Hop, j'ai mis des petites palettes au sol. Alors vous allez me dire, elles servent à quoi ces palettes? Tout simplement, vous pouvez poser vos masses dessus. Tu feras du PUBG, peut-être. Donc voilà, vous pourrez poser des masses dessus, ou des outils, ou voilà. Tout simplement. Ouais, je me suis fait passer un coup de faucheuse. Là-haut, j'ai rajouté... Hop. Ah bah tiens, faudra que j'enlève l'herbe, là. J'ai rajouté des étagères pour poser les outils. Là, vous avez de quoi acheter... Ici, c'est pour acheter les cochons. Hein. Hop. La stabule est curable. Dans la version que je vous avais mis, la stabule n'était pas curable. Maintenant, elle est curable. Oui, j'ai installé une nouvelle mise à jour, sinon on pourrait pas jouer en multi. Donc là, la stabule des cochons est terminée pour moi. Donc elle est totalement curable. Hop. Et petit ajout de hangar. Parce que je trouvais que la ferme n'était pas assez grande pour moi. On va poser une remorque sur les palettes. Donc vous avez un Seedmaster. Voilà, en plus. Faut que je le renomme parce qu'il est pas... Il est pas au bon nom, en fait. Hein. Salut Taz, salut Guy, c'est normal qu'il n'y ait pas eu d'épisode des 1000 H. Oui GG, c'était Noël, on n'a pas tourné l'épisode. Donc là vous avez pareil des stockages pour mettre des ballots éventuellement. Les stockages de fertilisants, le stockage de graines et le stockage de fertilisants liquides. Hop. Vous allez sortir quand un épisode des 1000 vaches? La semaine prochaine. Sais-tu Guigui, si sur FS17 PS4 il faut le PSN pour télécharger des modes? J'en sais rien du tout. Aussi un bug aux vaches dans la laiterie, quand tu ouvres la porte d'intérieur, les tuyaux... Le tuyau passe à travers. Ouais, c'est pas des bugs de jeu ça. Hop, voilà. Là j'ai pareil, j'ai corrigé parce que je me suis aperçu qu'en fait ça passait dans le plancher, donc j'ai fait différemment. Voilà, donc là vous pouvez stocker directement en vrac. As-tu fait la collision pour le stockage des grains pour les cochons? Oui, normalement ils sont faits. Donc c'est ce qu'on va tester. Salut Thomas. Guy, on fait comment pour configurer le volant et le joystick et le pédalier? Bah il faut aller dans le jeu. Tu branches ton volant, tu règles tout ton volant, tu sors du jeu, tu branches ton joystick, tu rentres dans ton jeu et tu configures le joystick. On n'a pas eu les 1000 vaches. Non, vous avez pas eu les 1000 vaches. C'était Noël, les amis. Il y a 375 personnes. Je pense que tout le monde m'entend. Non, il n'y a pas eu d'épisode des 1000 vaches. Ce n'est pas la peine de me poser la question. C'était Noël, les amis. On n'a pas pu tourner la vidéo. Tout le monde était plus ou moins occupé dans sa famille. Donc, on n'a pas tourné les épisodes. Ah, ça, Rafi, je peux pas, malheureusement. Hop, il y a un bug de route, là. Ouais, je sais. Je sais, il est déjà repéré celui-là. Salut Guy, toute la team. Salut Max Max. Chez moi, il y a du vent, du coup, internet bug. Ah ouais. C'est pareil, je suis en train de travailler aussi les clôtures. Il y a certaines clôtures que j'avais pas terminées.
C'est quoi le nom de la map? C'est la ferme de l'Ain, qui est disponible sur notre site internet, mais la version bêta. Donc celle-là, vous l'aurez normalement, je pense, d'ici... allez, 3 bonnes semaines. C'est normal, Fafa, ouais, c'est normal. Il aurait fallu que je fasse un truc incliné. Donc ça, je peux rien faire, malheureusement. Faut curer au godet. Et pareil, du moment où la fumière est plus bas que le tas, ça passe dans le sol. Lol, Franck, hein. Il y a trop de collisions MDR. Mais non. Ah, donc oui, j'ai ajouté aussi un panneau. Hein. D'ailleurs, j'ai toujours pas corrigé, faudra que je le corrige. Du lundi au samedi, de 8h à 18h. C'est ouvert. J'ai plus de PC pour l'instant, vu que mon clavier est bloqué et le PC est éteint. Donc je ne peux plus le rallumer. Ah, ça c'est pas cool ça. Bon, alors. Ce qu'on va essayer de se faire déjà. On va essayer de se prendre des petits tracteurs. Ah oui, et aussi les amis, hop, petite nouveauté. Je vous montre aussi pendant que je suis là, pendant qu'on parle des nouveautés. Hop. Donc au mouton, vous avez de l'ensilage et de la farine que vous pouvez rajouter. Ça normalement c'est pas de base. Hein. Voilà. Les pommes fabriquées dans le verger, vous pouvez les donner aux cochons. Et farine obligatoire pour les vaches. Voilà. Donc ça c'est tout dans les auges classiques. Hein. Le Papa Noël a-t-il apporté de la connexion à Ford? Un petit peu, ouais. Bon, alors, on va déjà commencer, je pense, à s'acheter un ou deux tracteurs. Au moins un tracteur. On va peut-être pas s'acheter quelque chose de trop gros. Qu'est-ce qu'il y a pas trop cher? Allez, on va acheter ça pour Joe, tiens. Ça lui fera plaisir. C'est pas une grosse puissance, mais... Ouf. Ouais, c'est pas un gros tracteur non plus. Ah, par contre, la caméra... Ouais, si, c'est bon. Hop là. Tac. Salut Guy, c'est quoi tes maps et où on peut la trouver? Alors, Farming 2006, c'est ma map. C'est la map, la ferme de l'Ain. Et vous pouvez la trouver sur notre site internet. Par contre, vous avez la version encore bêta, vous. Celle-là arrivera... je suis encore en train de travailler dessus. Donc, elle arrivera... dans le mois prochain. Est-ce que je peux régler mon retour de force sur mon volant farming? Non. Qu'est-ce qu'on va s'acheter? Qu'est-ce qu'on a besoin au cochon? On peut s'acheter une benne. Déjà aussi. On essaie de pas se prendre une grosse benne. Qu'est-ce qu'on a en benne? On va prendre la petite boule, tant pis. Hop. Tac. Alors on va te prendre une petite masse aussi, comme ça au moins t'auras de masse. Tac. Hop. Bon, j'ai toujours pas de masse fort, John Deere. Tac. Bah les MX, couleur de John Deere. Les MX carrément. Mmh. J'allais te prendre l'autre moi. La Lisa. Wow. Ouais, la MX elle va faire gros devant ton tracteur. Hein. Allez, on va se prendre ça. Hop. Ça sera très bien. Tac. Hop. C'est dur, la vie de Modo, prochain chien. C'est un skin, t'as le bouche? Non. C'est le bouche. Ça. Pouf. On ira acheter du grain. Moi, ce que je vais m'acheter, c'est un autre tracteur. Comme ça, on aura deux tracteurs. Et puis vu que... hop. Fonte hydraulique. Charges avant, oui. Standard. Hop. GTR Wheelboard, je sais pas ce que ça veut dire. Standard, ouais, ça on en a pas besoin. Acheter. Hop. Un petit 160 chevaux.
Guigui, le Papa Noël t'a donné quoi? Pas grand chose, il m'a donné mon fauteuil là, et puis des petites bricoles. Tac, voilà. Hop, pouf. Tac. On va acheter quoi? Pouf. Putain, il nous faut quoi? J'ai bien envie d'acheter un semoir pour planter de la betterave, mais après derrière. Pouf. Déjà, les champs. Au pire, on louera la moissonneuse. Guy, est-ce qu'on utilise la clé à molette quand quelqu'un demande pour les 1000 vaches? Non, The Alex. Au pire, tu lui réponds. Faut leur répondre. Alors dans votre truck, êtes-vous arrivé à votre destination? Du tout. Trop cool, les vidéos. Merci à Super Nord Lucas. Les JB, c'est les meilleurs. Donc, pour le coup. Bon. Pouf. Qu'est-ce que je me prends, moi? Qu'est-ce qu'on a besoin pour les cochons? Pommes de terre... Betterave... Alors, je peux peut-être me prendre un semoir à betterave. Mais... Pouf. Lui, je crois qu'il fait pas les betteraves. Je vais avoir que le rab qui va faire les betteraves. Ah non, il fait pas les betteraves non plus. Putain, j'ai que du gros semoir. Guy, les pellets, c'est nouveau ça? Bah c'est avec l'extension... paille. D'ailleurs, en parlant d'extension paille, hop, je vais vous montrer, grosso modo. Hop, tac. Alors ça, c'est juste des warnings. GST, tac. Hop, c'est J, hop là. Ah oui, je vous ai pas montré ça. Ah oui, elle spawn pas parce qu'il faut le temps qu'elles arrivent en fait. Hop. Donc là, pour l'instant, c'est bloqué. Hein, mais je vais y débloquer pour la future version. Et là, je vais vous mettre une zone où vous pourrez venir mettre votre usine de paille là. Voilà. À Noël, j'ai eu PS4 avec Minecraft et Farming Simulator avec une manette, plus un casque avec micro. Ce casque, bon anniv, Guigui. Bon anniv, ouais. Donc normalement, là, vous avez des vaches qui doivent passer dans le champ, là, normalement. Comment tu cours vite? C'est un mode, c'est le speed player. Est-ce que tu vas faire des roleplays avec les JD? Bah, les JD qu'il y a là, peut-être pas. Les JD, on en a déjà dans le roleplay, ouais. Pouf. Qu'est-ce qu'on a en semoir? Putain, qui fait les betteraves. Ça, c'est du combien, ça? C'est du 3 mètres? Ah non, c'est du 4 mètres 50. Et il fait les betteraves. Ouais, mais il n'y a pas plus large. J'ai peur que ça soit un peu gros, quand même. Non, bah, ça va être semoir de base. Il fait combien en prix? 29 000. Il fait maïs. Tu connais la blague de l'armoire? Elle est pas commode. Dis, tu sais, si un PC portable est assez puissant pour faire tourner Spin Tier? Ça dépend de ta map. C'est sur la neige, ta map? Non, mais il peut y avoir la neige, oui. Pouf. Non, ce qu'on va faire... Au pire, Joe, je vais te filer la bétaillère, tu vas aller acheter des cochons. Oh. Puis au pire, on fera un emprunt. La bétaillère, elle est où? Bétaillère, là. Tac. Je vais venir la benne avant au cochon. Non, tu me la laisses là. Tu me la laisses là, parce que je vais en avoir besoin. 24 000 et 24 500. Hop là. Alors, je sais pas ce que c'est ça. Hop, allez, acheter. Tac. Moi, je vais aller acheter du maïs. Comme ça, on aura déjà du maïs pour donner. Puis après, on viendra acheter des... Il lit pas mes messages, si Dylan. Hashtag le chauve FDR. Non, je suis pas chauve. C'est pas vrai.
Là, j'étais en train de regarder un petit peu les trucs qu'on allait acheter. C'est le Régis. Le mélange trois essieux. Les mélangeuses trois essieux, tu les as trouvées où? C'est pas qu'une. Mais bientôt, vous les aurez sur le site. Hein. Tous les modes des 1000 vaches, là, vous les aurez sur le site. Même si on n'est pas sur les 1000 vaches, on utilise les packs des 1000 vaches, là. C'est quoi mon blanc? Un G27. Hop. On va acheter une benne de maïs. Comme ça, ça évitera qu'on... Voilà. Alors, quelle map? C'est la map que je suis en train de développer, Antoine. Donc, c'est la ferme de l'un. Hola, monsieur Ford. Clément. Pardon. Ouais, bah j'étais pas loin. Ouais. Non. Avec mon nouveau portable, bah, c'est cool, Alexis. C'est le max. Guigui, il faut un mode pour avoir de la farine. Non. Du tout. C'est intégré dans la map. Est-ce que c'est bien le T80? Je ne connais pas. Hop, allez, on va se prendre une benne de maïs. Crac. Alors les amis, j'ai aussi corrigé le trigger là. Donc maintenant, on peut bien acheter du fertilisant liquide. En fait, je m'étais trompé, c'était le solide que j'avais mis là. Le fertilisant. On en achète combien à peu près de cochons? Prends-en... Je sais pas combien de temps mets par remorque. Bah je sais pas, je vais te dire ça quand je suis arrivé. C'est quoi comme JD? C'est un 7710. C'est le tout premier qu'on a eu sur les 1000 vaches. C'est ça. Montre les modes que tu as mis sur ton site. J'en ai pas mis beaucoup, au pire faut aller voir, j'ai déjà mis en début de live. Ce serait bien d'avoir la farine à prendre au godet, ce serait mieux pour les vaches. Bah faut que j'y travaille parce que faut entre guillemets que je rajoute une culture. Donc qui dit culture, qui dit type enfin field plan et tout. Mais faut que j'y travaille. La nouvelle version courant janvier là. J'ai encore pas mal de boulot à faire, j'y travaille là pendant les vacances. J'ai passé toute mon après-midi pratiquement dessus. Donc voilà. Moi j'ai trouvé. Oh putain. Thomas, ouais. Yugi, je viens d'arriver et je dis. Je lâche mon like pour ta coupe. Eh les amis, on devrait déjà être à. Allez, minimum à 300 likes là. John, ça tire pas. Oh, si, ça tire. C'est quoi la map? C'est la ferme de l'un. Tu peux rouler un classe. On peut rouler un classe, ouais. On peut rouler un classe une fois, mais on peut pas rouler un classe 1000 fois. Ah non, c'est pas ça, pardon. Y a pas de 1000 vaches ce soir, non. Pourquoi pas de 1000 vaches? Bah, c'est Noël. On est en vacances. Du coup, on est en vacances. Ah. Il y a un Ford qui a un problème de micro, je crois. C'est quoi? Non, il y a un Ford qui était parti puis qui est revenu, non? Non, c'est moi. Ah, c'est toi. Guy, j'ai eu de très beaux cadeaux. J'ai eu un drone, la Nintendo Switch et un gros hélico. Tu vas faire d'autres lives dans la semaine? Je sais pas, Thomas. Je sais pas. Peut-être demain soir, si j'en ai l'envie, on fera peut-être du PUBG demain soir, je sais pas. Franchement, je vous dis, là, cette semaine, c'est roue libre, total. Tu saurais faire un tuto pour changer de map bêta à la... sans perdre tout ce qu'on a déjà fait, s'il te plaît. Oui, je vous le ferai, là. Je vous le ferai. T'es en vacances, toi, game, là? Oui. Ok. Jusqu'à jeudi prochain. Ok, putain, ça va. 15 jours de vacances. Samedi, il y a les coulisses des 1000 vaches. Je ne sais pas.
Je vous dis, là, pendant les vacances, c'est roulib total. Bon, on va déjà mettre là-dedans. Comme ça, on en aura pour donner aux cochons. T'en mets 13 dans une bétaillère. 13 ? Ouais, t'en prends 3. Comme ça, ça nous en fait un peu plus d'une trentaine, ouais. Pratiquement une quarantaine. Salut, j'ai trouvé une bétaillère et trainer. Ah, c'est toi qui m'as envoyé le message tout à l'heure sur Facebook. Salut le pro de Fent. Pour ta coupe de cheveux et John Deere, ça tire comme un Fent 939 Vario. On va produire tout de suite de la farine. Salut Cédric. Hop là, oups, putain. Roule sur la route. Yergi, j'ai eu un problème sur le site, il y avait la description de la moisson et quand j'ai... Ouais, le gamer, on a eu un petit bug, c'est corrigé. Du coup, vous avez le semoir aujourd'hui et la moissonneuse, c'est bon, c'est corrigé. Ah, merci le pro du Fent. JD, ça se fait tirer par un classe, comme ça. Bien sûr qu'ils sont... Moi j'ai trop massé, c'est le meilleur. Les gars, on va arrêter avec les marques machin, les John Deere, les machins, c'est pas bien, les massés, c'est pas bien, les machins. Parce que ça va vite me saouler, ça. Merci Kev, et bonne année. Bonne année. Putain, joyeux Noël à toi. Je vais pas y arriver cette fin d'année, moi. Merci Cédric. Guigui, avec ta coupe de cheveux, tu dois avoir froid à la tête. Pas du tout. T'aimes bien FS15? Bah, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que c'est un peu dépassé maintenant. T'as mangé quoi à Noël? Putain, j'ai mangé quoi à Noël? J'ai mangé en entrée du saumon. Du saumon. Après des feuilletés aux escargots. Et puis après. Après, c'est le trou noir. Après, c'est le trou noir, ouais. Ah, merci Nike! Après, on était déjà à la troisième bouteille de whisky et puis je m'en souviens plus. Ah, merci Alexis. Est-ce que le volant Trust GTX... Je connais pas. Un tracteur, c'est un tracteur. Peu importe... Bah ouais, tout à fait. J'aime les serviettes. Salut, c'est quand la première mise à jour de la map? Là, vous l'aurez normalement, là, dans... Allez, je pense dans la première... Enfin, dans le mois de janvier. Voilà. Cyprom, il est pas là tout simplement parce qu'il est en famille. Tout simplement pendant les vacances de Noël, il nous a dit qu'il passait en famille, donc il est en famille. Voilà. Tout simplement. Alors, Clément. Il va falloir que je t'achète un tracteur. Oui. Ça serait mieux. Oui. J'ai un rabot pour curer les vaches en mode. Ouais, mais le problème de curer les vaches au rabot, c'est que ton fumier va passer sous dans le sol en fait. Où est-ce qu'on peut prendre de l'eau sur ta map? Alors, sur la map, l'eau, vous pouvez l'acheter à Veolia. Enfin, l'acheter. La prendre à Veolia. Veolia, vous avez de l'eau ici. Voilà. L'eau est produite en permanence. Vous pouvez venir la récupérer ici, l'eau. Hop. Mais par contre, c'est fermé entre 8h et 18h. Voilà. Tout simplement. Pourquoi je peux pas sauter? C'est ouvert entre 8h et 18h. C'est ouvert entre 8h et 18h, pardon. prends pour Clément un petit tracteur, pas très puissant, ça peut être marrant. Hop, bon, on va déjà voir ce qu'il va nous rester en argent. Et à mon avis, je pense que on va se faire une ferme full JD ce soir, je sais pas pourquoi. De toute façon, t'es fauché, alors cherche pas, t'as plus de pognon, c'est tout. Mais ça, il dit plus rien. Non, je suis bien toujours là. Ouais, non, allez, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bah tiens, on va lui prendre celui-là, force brute, allez. Et sur quoi aujourd'hui? La ferme de lin. Sur YouTube. Oui, non, je te parle en YouTube. Prends un vélo. Hop. Ça, je vais te prendre une citerne à flotte. Tu vas aller chercher de l'eau, ça, Clément. C'est bien. Ouais. Donc à Veolia, ça sert à rien que je prenne la grosse. Je te prends que la petite. Hop.
Tac. Le problème, c'est que moi, je nourris les vaches à 7h et 8h. C'est café, donc il me faut de l'eau avant. Bah, faut la prendre la veille. Aïe. C'est pour ça qu'il y a des réservoirs. Prends-lui, pas une moto, et il va la noyer. Bon, c'est bon, forêt. Les mecs, ils sont encore sur ça, quoi, ça fait 2 ans. oui, mais nous, on y est encore dessus, hein, je te signale. Mais ça, ça va te suivre. Ouais, non, c'est normal, Nathan, c'est un bug. C'est un bug, mais le séchoir, il a complètement changé. Le plouf ploufisant. Salut Franck. Eh, n'hésitez pas à mettre les pouces bleus, les amis. Les petites mouches bleues. Salut Pam. Salut Pam. Ah, Pam. Et salut est là. Seb. Clément, tracteur radio commandé. Est-ce que la site. Oui, c'est un mode, Mister. C'est le pack garant. Bah, faut que je revienne parce que faut que je débranche mon volant et que je le rebranche. Ça va, ça va. Ouais, Seb, ouais. il est pas là. Seb, il est pas encore là. Salut Louis. Il y risquait même de serrer le moteur à venir. Yo, j'ai eu un volant G29 édition Gold. Bah c'est cool. C'est pas la peine de spam par contre. Gold. C'est pas édition la peine gold. De spam parce que tu vas te manger un timeout. Ouais. Salut, mais cela fait 20 minutes que je vous ai dit bonjour. Oui, bah ça va Seb. Oh Seb. Salut, comment va la team? Salut Julien. Bonsoir à tous et bonsoir à toute la LV. Salut Chris. Bonjour à toi Seb. C'est pas la peine de spam. Au pire, si c'est pas moi qui vous réponds, ça peut être soit les autres de la team, voilà. Ou soit les modos. Yop yop, comment ça va bien la team? Ça va très bien, Emilia. Hop hop. Je regarde ton live depuis 8h50. Oh, ça va. Un quart d'heure. Bonsoir, Alec. Bonsoir. C'est la team de pouce bleu, Mick. C'est qui le couillon qui nous fait chier là? C'est Clément. Ah non, c'est pas moi là. Talouche, c'est pas la peine de pam, lol, j'ai un scier. Salut Guy, comment tu vas? Passera bonjour à Joe, j'ai reçu mon driving for GT. Et la tuerie, je t'ai envoyé une photo sur Facebook, joyeux Noël. Il est où, Veolia? Tout au sud. C'est marqué sur la carte. Ah oui. Veolia. Salut Geoffrey. Et ça sert à rien de mettre que des majuscules. Ça, c'est la marche arrière. Salut Lucien. Salut, t'en fais pas, Seb. 20 minutes aussi. J'ai dit bonjour, mais il ne m'a pas répondu. Lol, peut-être fâché. Ah, j'y vois pas tout le monde. Comment ça se fait que j'arrive pas à mettre de l'essence au compost? Il faut la citerne cote universelle, la jaune. Comment ça, la jaune? T'es dégueulasse. Non, il faut la jaune obligatoirement. Salut Talzax, salut Lucas. Désolé d'avance aux autres. C'est plus gratifiant d'être salué, oui, saluté par Guigui que les modos. Guigui, le live se termine à quelle heure? J'en sais rien du tout. À quand le DLC paille? J'en sais rien du tout. C'était pour être sûr que l'un d'entre vous le voit. Salut les fous, Guigui, Cyril, salut, Joe, Ford. Non, c'est pas Ford, c'est Clément. Salut le prêtre! Bon alors, à Cyril, on va lui faire même. On va lui faire un combo tracteur. Alors pour le coup, bah, on va faire full John Deere. Hein. Ah! Je viens de me faire attraper par un buisson. On va lui faire un full John Deere. Bip bip miaou! Qu'est-ce qu'on va lui prendre comme John Deere? Il y a des moustiques en ce moment. Ah, t'as vu le moustique, comment il est passé? Ouais. Fumier les moustiques, hein. Allez, on va aller prendre ça. Crac. Mouchoir, Jessica, mouchoir. Salut, Jessica. MDR, Alex, le PPM, ça va la grosse. Pas besoin d'applaudir, Pam. Comment tu voles? Ça dépend. T'as plusieurs fonctions.
Bon bah pour le coup ça va être la même que moi. Hein. Tant pis. Là, faut faire le tour de la planète là. Oui. Et faut emmener au cochon. Hein. Alors Cyril, je t'ai pris un tracteur et une benne. Oui. Tu vas acheter du blé. C'est quoi la dernière version de Giant Editor? C'est la 5... hein. La 7.1.0. Guigui, je te demande ton avis. Dans tout avec Noël, j'ai économisé, j'ai 500 euros, j'attends mon anniversaire cet été pour avoir un peu plus d'argent pour une tour. Ouais. C'est Guigui, je joue à ta map en ce moment même. Alors, gâté par Cyril ou pas cette année? Pas passé partout aujourd'hui cette année. Hein. Bah non, je t'ai pas passé chez moi. Ouais, il est pas passé le chez CCM moi. CCM mode est bugué, je sais pas du tout. C'est là où je suis, non, les cochons, c'est ça? Alors, je vais regarde, aller... y a une tête de cochon sur la je vais en acheter un. Ah non, là c'était les moutons, là, Clément. Les moutons, moi, ça marche. Ouais. Guigui the Forest a été traduit en français. Ah bon? Ah bah, c'est cool ça. Oui, je crois, oui. Où peut-on télécharger la map? Alors Mathéo, sur notre site internet, t'as le lien en dessous de la description. Par contre, ce n'est pas cette version-là, parce que là, c'est une version encore de travail, qui évolue tous les jours. Monte le séchoir, hop là. Alors, je vais me garer au bord de la route, je vais mettre les warnings, comme ça, si Cyril il arrive. T'emmènes au séchoir, hein, le blé. Oui, mais je vais l'acheter. Bah oui. Oh merde, j'ai pas les warnings. Ah, ils sont là. Hop, tac. Je vais attendre que Joe passe pour sortir du tracteur. Et pour le coup, c'est Joe qui a le plus cher des tracteurs. Bon, le, ouais, moins, puissant, le moins puissant, mais les plus chers. Donc voilà le séchoir. Donc là, vous mettez votre maïs, votre blé, votre orge. J'ai pas ouvert Veolia. Ah bah attends, on va t'ouvrir. Hop, et ici, vous allez récupérer vos palettes de farine. Voilà, et là, vous pouvez éventuellement stocker... Vous pourrez stocker éventuellement tous les bases nécessaires pour votre farine. Impec, c'est bon, c'est ouvert. Pourquoi il n'y a pas eu des 1000 vaches? Bah, c'était surtout Noël, les amis. Bah oui. Voilà. Tu peux sécher le soja? Non. Je sais pas si on veut y retourner, parce que Cyril, il est pas passé pour les cadeaux, donc... Eh ouais. Donc pour voler, très simplement, t'as une commande à taper dans le merde, j'ai perdu le mot. Dans la console. Dans la console, qui est cette commande là, celle que je mets là. Et après tu peux voler. Sinon après t'as des modes. Voilà. C'est où la farine? En fait, les modes. Et où on achète où le blé? Alors. Calvez, je vais te montrer parce que je vais aller acheter une benne d'orge. Aïe. Pour le coup. On va aller acheter une benne d'orge. C'est bon, tout le monde est fluide là sur la map. Ouais, ouais. Ouais, j'ai quelques petits coups de fruits, mais bon, c'est le temps que je la charge quoi. Est-ce qu'on peut avoir le séchoir sans la map? Pour la mettre sur une autre map? Bah, c'est du Fabric Script, donc oui, tu peux. Ils ont surtout fait des corrections de bugs, puis rajouté d'autres bugs. Non, c'est pas normal, Guillaume, il faut que tu supprimes tes shaders. Donc, faut que tu ailles dans ton dossier MyGame, Farming 2017, et là, t'as un shader cache, t'as un dossier qui s'appelle shader cache. Tu rentres dedans, tu supprimes tout. Salut, est-ce qu'on peut mettre un volant sur un PC portable? Oui, du moment où t'as une prise USB. Comment vous ne faites pas de vidéo le jour de Noël? C'est pas normal. Lol, Jérémy. Et pour info, c'est Cyril qui a le plus puissant tracteur. Ouais, mais lui, il est pistonné. Et une fois que tu es rentré dans la console, c'est quelle touche? C'est la touche petit 2 qui est tout en haut à gauche, à côté du 1, en fait. Voilà, quoi. Quand la ferme de l'un, V2. Très bientôt, les amis. Très, très bientôt. Je continue encore à y travailler. J'ai encore 2-3 trucs à faire. C'est pas la V1? Ce sera la V1, oui. Des Ferrero Rocher, vous voulez que j'en mange un pour vous?
Oh, tu peux, Damien, ouais. T'as déjà pissé dans la neige, c'est drôle. Ouais, mais le plus dur, c'est d'écrire son nom. T'es pas faux, ça, Guillaume. Ah, j'en connais rien qui l'a fait. Ah bah oui, attends. Mais bon, le problème, c'est que mon nom, il a beaucoup de lettres, alors. Pour avoir une bonne grosse envie, faut quoi. Avoir, faut avoir une bonne envie, quoi. Non, mais c'est quelle touche pour voler? C'est A. A et E. Ah. Pour descendre. A. Ah. Les gars du Nord sont pas aimés, lol. Mais si. On vous aime quand même, même si vous êtes du Nord. Hein, bah quoi, les mecs du Nord sont pas aimés? Je pourrais mettre la benne. Alors, je pourrais vous mettre la benne, mais ça sera pas cette version-là. Puisque moi, je l'ai retravaillé pour changer les pneus. Salut Ludo! Allez! Gros coup de lag et c'est parti! On va prendre de l'orge. Comme ça, le séchoir pourra tourner déjà. On pourra produire de la farine. Alors, maïs. Hop, orge. Donc, c'est ici pour acheter les semences. Enfin, les semences, les grains. Donc là, vous pouvez acheter grains, semences. Ah! Merci à Dono! Vous pouvez tout acheter ici. Alors, le blé, il va où? Il voilà. Va milieu. C'est bon, le bug non. Des rétros. Bah non, j'arrive pas à le corriger. Et à première vue, c'est un bug de farming, en fait. Sur certaines maps, ça le fait. Sur d'autres, ça le fait pas. Qu'est-ce qu'ils ont, les rétros? Ah oui, ils sont noirs. Ils sont noirs. J'ai demandé à Dame Dame, c'est parce qu'il y a trop de choses à afficher sur la map. Je sais pas quoi, mais... J'ai tout essayé et rien à faire. Pour faire des fruits. On peut acheter de la farine. Non, par contre, la farine, faut obligatoirement la produire. C'est quoi, c'est vrai hein? Il se lance après, ça me met Giant Engine à cesser de fonctionner. Est-ce que tu as une solution STP? Enlève tous tes mods, c'est que tu dois avoir un mod qui bug. Est-ce qu'on peut régler le retour de force sur le volant farming? Si on peut... Non, tu ne peux pas. Parce que ce n'est pas un retour de force, c'est un ressort en fait qui revient. C'est vraiment nul. En fait, les graines que tu peux acheter, tu les revends plus cher et tu te fais un max de thunes. Eh bah, pas du tout, Damien. Justement, tu les revends moins cher. Pas du tout, tu les revends moins cher que tu les achètes. Ah bah oui, je suis pas si con que ça quand même. Je suis pas si con que ça. Ah bon? T'inquiète Guy, c'est pas dérangeant les rétros. C'est son nouveau rire qu'il a eu à Noël, ouais, voilà. Il a eu ça. Il a eu le droit à ça, Noël. Et je kiffe ce 7710, moi. Bonjour, dans une minute à toutes, Alex. Salut le farmer 76. Ah bah merde allure. Ah bah merde allure. Salut Antoine. Et salut Jonathan. Et pas le Jonathan. Mon matos m'a coûté combien? Je me suis jamais réellement posé la question. Mais je dirais entre 3000 et 5000 euros. Mais investi sur 2 ou 3 ans à peu près. Non, il n'y a pas besoin de remplir beaucoup, tu mets une benne de chaque, une benne de 20 000 et ça démarre. À partir du moment où t'as les deux équivalents, ça démarre. Enfin, les deux équivalents. À partir du moment où t'en as trois... C'est où qu'on vend la farine? Alors, la farine, tu fais échappe. Hop. La farine, t'as deux endroits. Ça grimpe ici. Ah non, t'as qu'un seul endroit, pardon. À la coopérative palette. Voilà. Donc c'était à côté de là où j'étais. Bah Cyril, tu peux ramener la benne au... Au marchand? Non, bah pas au marchand, au cochon. Au cochon? Ouais. Tu fais chier, c'est dans l'autre sens. Bah ouais. Et c'est les 1000 vaches et tu vas faire des cochons? Bah on est pas sur les 1000 vaches. Ah, d'accord. Tu vas jouer à Fortnite? Non, je ne jouerai jamais à Fortnite, les amis. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve pas beau. Trop BD. Comment je fais pour gérer? Alors, j'ai une carte d'acquisition. En fait, j'envoie de mon depuis mon PC de jeu. J'ai un cordon HDMI qui est relié à mon PC de stream. Et j'ai une carte d'acquisition à l'intérieur qui record, tout simplement. Oula, l'entrée, elle est là. T'es où, Clément? Pourquoi je suis où? T'es au Moutmout? Ouais, je suis au Moutmout. Ouais, mais c'est pas au Moutmout qu'il faut aller, c'est au cochon. Ah, au coche-coche, du coup. T'es au cochon là-haut?
Ouais. Enfin, le corps de ferme des vaches. Alors ça, pour le coup, il a pas changé, lui. Faut que je rentre à l'intérieur, déjà, pour vider, là. T'es où? Dans le corps de ferme. Vider l'eau, c'est là, juste à côté, là. Juste à côté de moi. C'est en haut, c'est en haut, ouais. Hop. Alors, là, je vais déjà vous montrer le corps de ferme. Ah! Merci pour l'abo, Robin. Alors, le corps de ferme des cochons. Donc là, vous avez du stockage. Les stockages pour les grains. Hop, on va fermer pour pas que ça prenne l'humidité. La maison, voilà. Ah bah ouais, du coup, il y a le tuyau qui se balade. Donc là, faut être en face de celle où t'as le bleu. Hop. Et t'appuies sur R, normalement. Seb. Ah, par contre, ça, c'est le bug de... C'est bug de tuyau, ouais. Donc là, vous avez les cochons. Les petits cochons. Les petits saucissons. Et là, vous avez donc tout ce qu'il faut pour recréer des grains, des machins comme ça. Éventuellement, Cyril. Oui. Va chercher une benne de... Une benne d'air. Non, une benne de blé. Bonne mon gueule. Oui. Tu as quoi comme config sur ton PC? Alors, j'ai un... Sur mon PC de game, j'ai un i7 5820K avec 16Go de RAM. Une GTX 1080 Ti Ultra. Voilà. Tu as mis le curage. Oui, Florian, les cochons sont curables. Salut, Gemini. Salut pour acheter du fumier ou du lisier, ça se passe où et comment? Alors, le fumier, tu ne peux pas l'acheter sur la map. Par contre, le lisier, t'as à Veolia, t'as de la production de lisier à Veolia. Les petits cissons, ils sont par là. Je vais quand même visiter les petits cissons. Ils sont bruits magnifiques. Bah, j'en ai pas des 7530. On a passé un bon Noël, ouais, tranquillou. J'ai un pote, son père lui a offert un set de Lego et finalement, son père. C'est son père qui joue. Qui l'a construit. Bah, c'est le cadeau ça. À soi-même. Ouais, je crois qu'il y en a un aussi. Ton tuyau là? Non. Non, tu vois, Noël, j'ai pas eu de Lego. Ouais, mais à mon avis, je pense qu'il y en a un qui a offert des Lego à son fils, mais qui se les a auto-offert en fait. Non, c'est toujours pas moi, non. Pas encore dans le fermier du samedi. T'as les tracteurs qui fument? On a juste un Renault, j'ai pas mis les autres. C'est bon, tu veux parler du fléau? Ouais. Alors, non, il lui a offert des Duplo. Ouais, ouais, bah. Mais par contre, il a reçu un petit R2-D2 en UCS. Hier, j'irais bien lui piquer. Si on emmène 100 litres de chaque, on obtient 1000 litres de farine au lieu de 3000 litres. Ah bah là, je sais pas du tout. Normalement, non. Puisque normalement, il prend en compte. Faudra que je regarde les calculs. Et ça le met dans mes modes, ils sont en point zip. Alors je sais pas comment faire. Bah, s'ils sont point zip, c'est bon. Ah, mais après, si salut, Tang, tu as pu faire le cadeau à Ciprom? Non. Quoi, le string léopard? Alors, je suis en cours de. Pour le mode saison, je suis en train de le faire, ouais. Il est pas là cette semaine, Ciprom? Non. Ok. Il a bien le droit d'être un petit peu avec la petite femme, quoi. Salut Benjamin. Et salut Ali. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous n'avez pas encore mis votre pouce bleu, ça fait super plaisir. La petite bouche bleue. Salut, est-ce que je pourrais jouer avec toi? Alors, on va reprendre les rencontres abonnés à partir de début d'année. C'est pareil, là, je vous dis, on est en roue libre là, pendant les vacances. Mais on va tout reprendre en début d'année. Oh putain, j'en ai marre de prendre tous ces murets. Alors, là-haut, le Instant Gaming, c'est une petite vidéo que j'ai fait en fait sur fond vert. Donc, il change régulièrement comme ça. Et le compteur d'abonnés sans fond, bah, c'est avec Tipeee Stream. Tu vas où pour fabriquer la farine? Bah, c'est marqué, c'est au séchoir. C'est au séchoir, tout simplement. Il est où? La carte. Faut aller au séchoir, tu vas au séchoir. Je vais aller emmener mon tracteur et puis on va aller voir au séchoir.
Au chasseur. 250 mods, car je kiffe faire des RP. Merde. Calu, Mélanie, calu. Quand va bien? Au 34K, live 12h. Peut-être. Oh, 12, ça va encore. Tu vas faire autre chose que du FS17. Peut-être. Peut-être. La main, c'est magnifique. Telle est la question. Peut-être. Hier, feras-tu des vidéos sur The Forest comme avant avec Pascal? Ah, c'est prévu, ouais, c'est prévu. Mais le tout, c'est de trouver le temps. Et le temps, on va essayer d'en trouver. Je suis là, c'est bon. Donc voilà quoi. Suis 80 sur ta map, le top. Là, la vie. Par contre, je vais pas pouvoir en prendre des masses de loin. Ah, Guillaume. Oui. Tu veux du blé? Alors, Clément, au pire, vu que t'es sur la nouvelle version, tu peux en prendre. Alors, tu peux en prendre. Rejoins-moi au mouton. Attends, je finis de. Mute. Ah, je laisse le tracteur là? Ouais, laisse le tracteur, tu me rejoins au mouton. Et je vais te montrer où tu peux en prendre autrement. Sur la nouvelle version, je parle. Sur la version que j'ai moi. Comment c'est quoi comme fameuse et en un stylé? Ah merde, je suis passé sous la map. Ah bah, c'est malin. C'est pas ouf. T'as fait comment? J'ai plus. Cassé le game. Ah ouais, non, bah ouais, il a carrément. Est-ce que tu vas faire des vidéos réelles? Bah, j'en ai déjà fait. Fangaming, t'as juste à l'installer, c'est tout, il n'y a pas de manip à faire. Non, il n'y a pas de manip à faire. Bouilloul, c'est bon. Non, je trouve l'entrée. Est-ce que je non, peux mais... du blé au mouton, pas au cochon. Ah, tu as entendu au cochon? Non, ouais, j'ai du mouton. Du maïs, je crois. Qu'il faut. De quoi? Non, du blé, c'est pour mettre dans le Seed Master. Play. Ah. Il est là. D'accord, j'ai là, plus de voilà, souris. Bah, là, justement, tu descends le petit chemin, et là, tu viens en marche arrière, et tu te mets la cuve pratiquement en bas, et tu pourras récupérer de l'eau. Le petit chemin, là? Ok. Le petit chemin, ouais. Merde. Le petit chemin, et tu peux descendre avec la cuve dans l'eau. Il faut que je recule en marche à recul, là. Bah, au pire, tu peux venir là, en marche avant, et puis reculer. Ah, ouais. Hop. C'est prévu pour. Alors, c'est pas en marche à recul, c'est en marche qui recule. Le matru. Faudrait que je recherche. Coucou, Guy, GTA. Non, non. Encore 4000 là, sur la... déjà. Hop. Alors, mon tracteur il est là. Ah putain, par contre, ça va me faire encore plus loin pour décharger. Bah non. Bah si. Tu vas reprendre les RP, tu gères bien. On va reprendre. Et puis tu laisses la benne là-bas, Cyril, et tu reviendras après. Ok. Par contre, il va falloir qu'on fasse un cred. Je trouve pas le lien de la map. Allez, vous êtes sérieux? Tu vas sur le site des fermiers du dimanche. Hop. Tu vas dans mode. Map. La ferme de l'un, elle est là. Tac. Hop. Allez, je vous la mets même directement. Tac. Et paf. 200 kills m'attend. D'accord. C'est où pour faire de la farine? La farine, c'est au séchoir. Pas au moulin. Ouais, j'aurais pu appeler ça moulin plutôt que séchoir, mais bon. Séchoir, c'est plutôt pour le jambon. Bah non. C'est pas faux. C'est pour sécher. Pourquoi mon ordinateur s'est réinitialisé? Bah, bonne question, j'en sais rien, moi. Hop, donc au séchoir, vous allez au séchoir. Bah tiens, ça y est, elle s'est mise en route. Hop, donc là, elle a commencé à produire de la farine. Voilà, tout simplement. Tac. Voilà. Voilà. J'ai des micro-prises, moi. Pas un seul. Moi, j'ai rien. Moi non plus, je n'en ai aucun. Ça te dérange que le pré... Je prenne ton séchoir pour mettre sur ma map. Je précise que ma map va rester privée. Ah, tu peux, hein. Tu peux. Complètement. Tu peux la prendre. Tu peux le prendre, hein. Tu peux le prendre. Si t'arrives à la réintégrer dans ta map, tant mieux. Parce que moi, c'est de la bricole. Hein. Alors, la Kuma, pour l'instant, elle est carrément en pause. Et la LFD part en fumée, oui, ça va revenir. Ça va revenir. Il est où le Seedmaster? Il est derrière la statue. Ah non, mais faut y mettre. Tu peux pas y mettre directement dedans. Hein.
Oui, non, mais tu peux pas, peut-être pas y mettre directement dedans, mais je vais y mettre la benne à côté. Ah, tu peux mettre la benne à côté, ouais, elle est de l'autre côté, ouais. Il faut quoi pour faire de la farine? Maïs, blé, orge. Allez. Parce que t'as peut-être un problème graphique. Je pense que ça passe par là. Oui, mais ça, bah oui, ça passe. Si t'es bon conducteur, ça passe. Même, hein. Sérieux? Ouais, je passe avec une 3 essieux. Hein. Ouais, il faut serrer un peu les fesses, mais ça passe. Bah ouais, c'est pas ma faute, hein. La route, elle est en chantier, là. Normalement, l'entrée, elle est là. Mais la route est en chantier, alors on peut pas rentrer. Ouais, mais bordel qui est d'avoir mis la route en chantier. Bordel de travaux. Le JD à Cyrilette, il irait bien dans le mille vaches. Il va être un peu court. Hein, Guillaume est là. Est-ce que vous ne le voyez pas, mais c'est Guillaume. Tu connais là, le jeu Rimworld? Si oui, vas-tu y jouer? Sinon, super ton travail intensif sur ta map. Et bon, non, je connais pas du tout. Tac, et voilà. Bon, maintenant, faut que j'aille où? Ça compte aussi pour la bêta, oui. Bah, tu retournes au magasin. Hop. Oui, on va faire de la route ce soir. Enchanté, je m'appelle Toz. Et moissonneuse. Tu devrais mettre de la boue dans le chemin. Ouais, de la boue, il y en a déjà pas mal. Tu vas faire un live steep un jour. Faudra que je reprenne, ouais, steep. Ah, faudrait que je lui remette moi aussi. Tu me redonnes envie d'y jouer. Comment ça, tu veux faire un live sleep? Ça va un pas live du tout, sleep, ouais. Alors, on va se prendre une fourche. Bon, moi, je peux faire quoi, moi? Eh ben, Joe. Joe. Ah, au pire, bah, tu peux prendre ma benne. Non, attends, je vais te donner un. Ouais. Ouais, si, tu peux prendre ma benne et puis donner de la. Bah, pour le coup, du maïs aux cochons. Tu peux commencer à nourrir les cochons. Et attends, je me rappelle déjà plus ce qu'il faut, cochon. Ah bah si, bah tu peux prendre la benne et puis racheter de du blé. Ou de l'orge. Prends une benne d'orge, tiens. On donnera au cochon directement. On est 443, c'est un bug? Non. Guy, pas mal ta map. Merci, Tim. C'est ta map. Oui, Maxime, c'est ma map, ouais. Allez. Le poteau, j'ai failli le manger. Ah bah, si tu l'as failli manger. Si t'as juste failli le manger, ça va. Oh putain, allez, ben, allons. Tu l'as assaisonné, au moins. Bah, non, non, je vais la revendre, la fourche. Elle est pas adaptée au tracteur du tout. Ouais, c'est pour ça que tu l'as pas mangé, alors. Bah, voilà. Ah oui, ça lève des poteaux, c'est bien bon. C'est pour la fourche qu'il a avec la... Moi, je fais un petit AFK vite fait. Ça, ça doit être mieux, celle-là. Ah, il a fait caca. Ça sent la partance, ça va faire caca. Guy, tu as vu le quasillage que je t'ai envoyé? Ouais. Vous êtes calme, les viewers. Ouais, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, hein, les amis. Salut, Summer Taranto. Derrière Guigui, sinon tu fais quoi de beau avec ta team? Bah là on va tester un peu les cochons. Ah putain, mais elle est vachement avancée, je trouve là. Non, c'est pas bon ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Hop. C'est pas les bons bâtis de fourche. Ah bah c'est pas les bons bâtis de fourche tout court parce que je tourne plus. Il va tout droit le tacteux. C'est balou. Petite fourche là. Oui. Hop. Du coup, je vais me prendre une valeur sûre. On va se prendre une valeur sûre. Hop. Une bonne vieille MX. Non, même la stole. Là. Merci Omodo, vous faites du bon boulot. Monsieur Téphi. Zelex, ouais, mais le T8, je trouve bof. Je kiffe les lives comme ça. Merci à The M Team. Parfaitement adapté.
Il y a un gros bug avec le silo à la ferme. Ouais, je sais qu'il y a des bugs, ouais. Tu pourras répondre à mon commentaire dans la dernière vidéo SCP, je te kiffe. Bah, je vais aller voir. Enfin, j'irai voir. Hop, alors, Cyril. Cyril. Mon ami Cyril. Hop. Standard. Oui. Ok. Tac. Bon, je vais m'acheter une fourche. Hop. PBG après. Ouais, peut-être PBG, je sais pas. On verra bien selon comment on avance sur la map. Salut, qui est youtubeur PS4. À la mode LFD, oh, peut-être, ouais. Prends un Kirvet, ça tire comme un 939. Bah, faut surtout de l'argent. Tac, hop, hop. Mon silo est plein, mais je peux pas le prendre MDR. Mais pas grave, t'as géré ta map, continue. Ah, faudra que je regarde ça, faut que je refasse les silos pour voir. Mais je sais qu'on a le bug sur les 1000 vaches, alors... Tac. Pouf pouf pouf, piqué piqué collégramme, bourré bourré ratatam, amstramgramme. Ballot de paille, hop. Hop, ok. Tac, un de chaque côté, c'est parfait. Yo Maxime, tu joues que sur ce jeu? Non, du tout. On fait d'autres jeux aussi. Dis-moi un Kirvet, ça coûte rien sans être cheaté non plus. Oula, je suis pas du tout en face. Je t'avais parlé de créer la ferme de mon père qui est agriculteur. Et on en a jamais reparlé. Bah Maxime, non. Déjà d'une part. Et créer une map, ça demande tellement de temps. Tu peux pas... bah pas ce soir non, mais c'est déjà tout préparé en fait. C'est déjà tout préparé. T'as vu ça, je pose ça comme un pro. Bien après farming, ouais. Tu peux faire du farming et après du farming MDR. C'était pas la bonne idée de prendre le JD au chargeur, il braque pas beaucoup. Ouais, on a fait une ferme full JD ce soir. Un live de K48h STP. Non. Non. Un 12h éventuellement. Mais pas aujourd'hui. Pas maintenant. Live 48h, on le garde pour le 15 août. Bah quoi, on sera tous ensemble, comme ça on pourra faire un live 48h. En se relayant. Ouais. Là, te mettra les sangles. On a descendu du tracteur, feignant. Ah, il est pas drôle. Feignasse. Mais 900... Non. Non. 48 heures aux 50 000 abos, ouais. Hop. Il y a quoi le 12 avril? Le 12 août, pardon. Le 15 août, j'ai dit. Le 15 août, il y a toute la team qui débarque. Tu as un volant à combien de degrés, STP? 900 degrés.
Les mille vaches, c'est quand? Parce que j'adore cette série. À la rentrée. À la rentrée, parce que pour le coup, voilà, on n'a pas tourné, on n'a pas tourné. Pourquoi tu ne veux pas? Parce que j'aime pas. Même pour tester la map, j'ai pas envie de cheater. C'est la garde non partie, elle avait été capée. Non, non, 200 heures de live pour le 1er avril. Salut, une 460 GTX, fait tourner FS17. Ça va être très court. Non, je joue pas Clash Royale, non. Guy, tu fais des lives avec quel logiciel? OBS Studio. Pour le coup, je suis avec OBS Studio. Quand tu cheats, il n'y a plus de plaisir, carrément. Tu as vu que le JD. Ben, j'ai vu. Ah, puis vas-y, continue. Tu veux que j'y aille? Non, j'ai pas vu Chuko. Guigui, je peux pas ajouter de sous sur ta map. Oh, si, si, normalement, si. Quand le set EP, le set EP? Ah, le setup? Merci Renaud pour tes 10€. Le setup, ça devrait arriver dans le début d'année là. J'ai commencé à travailler sur la gaming room un tout petit peu. Mais vraiment un tout petit peu. Je danse. Et toi du grand subbro. Je danse. Ça finit plus un mot. Salut, ça va? Il y a un petit problème sur ta map. Je sais pas si tu sais. Mais au petit silo déjà, c'est là. Oui, je sais, ouais. Je sais, j'avais voulu modifier mon mur. Et j'aurais pas dû, il marchait très bien. Et j'ai voulu faire une modif sur le mur et il marche plus. Moi, ça me met toujours dans le moins. Bon. Salut, Damien. Petite question bête. Tu regardes les Simpsons de temps en temps ou c'est comme ça? Non, je suis carrément un gros fan des Simpsons. Je suis un très très gros fan des Simpsons. Pourquoi pas les 1000 vaches? Parce que pour les 1000 vaches. Et vu que c'était Noël, bah on n'a pas pu tourner les 1000 vaches. Je sais pas du tout le fermer du samedi. Pour le 7h, aller examiner dans les 1000 vaches, je sais pas. FS17 lag sur des maps PS4. Ah bah ça peut arriver, ouais. C'est que ça veut dire que la map est pas petite. Et par contre, les amis, il y en a beaucoup qui me disent ouais, je lag sur. Vous. Merci, Erwan, pour ton abo. Et il y en a beaucoup qui nous disent je lag sur ta map, machin et tout. Ta map est pas fluide, ta map est trop lourde. Joe a un tout petit PC pour le coup. Et il tourne impeccable. Ce qui peut être arrivé, c'est vos modes à vous. Alors attends, Cyril, je vais te poser la fourche derrière. Je suis pas sûr qu'elle tienne là par contre. Bah tu rouleras doucement. Bon alors faut que j'aille jusqu'au mout. Bah tu pourras pas la sangler de toute façon. Elle sangle pas, les outils. Je veux pas savoir, je l'ai sanglé. Pouf. Alors, je vais reprendre un godet, hein, pour le coup. On va se prendre un godet comme ça. Non, on va pas prendre un godet comme ça. Et du coup, j'ai fait un arrêt à Ferrero Rocher. Faut pas acheter des chocolats chez moi, c'est pas bon ça. Demain, VTT. Royaume-Uni et tout ça. Ouais. Vélo très tranquille. J'ai jamais pensé à ça là. Tu fais X sur le bot et tu la délètes. Pour les 1000 vaches, quand vous aurez remboursé le prêt et qu'après vous de l'argent, selon moi, il faudra acheter des vaches. Vous avez assez de nourriture. On a acheté un champ là, c'est vendredi je crois. Je crois qu'on a fait 1000 vaches. Oui. On a racheté un champ.
Donc pour le coup voilà quoi. Alors est-ce que je vais avoir assez pour acheter une pailleuse maintenant? Hihi, même pas. Merde, va falloir que je... on va faire un petit bout d'emprunt les gars. Hop, alors crédit. Hop, on va emprunter. Allez, 200 000 euros pour être tranquille. Ouais, emprunter. Tac. Ça, je peux acheter ma pailleuse. J'ai bien envie de tester la Girax. Allez, puis ça changera un petit peu des autres. How are you? Fine and you, Fancy Gaming. Tu fous la joue? Are you welcome on my stream, guys? Bah moi je suis à pied. Ouais, mais moi j'ai cru qu'il y avait un tracteur. Oui, moi j'ai des modes qui faisaient planter ta map. J'ai fait des essais depuis, aucun problème. Alors que j'ai un tout petit PC. Ouais, non, bah ouais, c'est ça. Les trois quarts du temps, c'est un mode qui va vous faire chier. Moi l'autre jour, c'est simple. Putain, j'étais en train de jouer. Vous pouvez demander au mec de la team. Je me suis retrouvé à 15 FPS sur la map. Et tout simplement, en fait, pourquoi? Parce que j'avais pris un... Dans mon godet, j'avais pris un autre outil dedans. Et je me suis pas rappelé que sur les 1000 vaches, on avait déjà eu le problème. Ah bon? Salut, Ciprom. Je vois pas de quoi tu parles. Oh, salut, Cici. Le bug de conso, non, je l'ai pas eu. J'avais retiré 200 000, on n'avait plus qu'à 100 000. Ouais, par contre, ton aire de retournement, il va falloir que tu la fasses plus grande, game. Non, mais t'as les frais de dossier. Ouais, mais pas 100 000 de dossier. En plus, le tracteur, il braque rien. Your stream is very good. Thank you, Fancy. Coucou Sissi. Comment ça va ici? Ça va très bien, Sissi. Est-ce que Didier Aubert Studio, tu peux t'en servir pour des lives sur portable? Je sais pas du tout, je connais pas. C'est quoi ton mode pour emprunter de l'argent? C'est Bank of Agenstead. J'ai changé de pseudo, il est mieux, non? Ouais. Un con sur un tracteur. C'est bien un Intel Core i3. C'est petit. Et il court. Mon collègue de bureau me surnomme Bart. Hey caramba! Comment on achète un camion modé? Et voilà, c'est posé. J'ai rien compris, moi. Je fais tourner FS17 avec un Intel Core i5 6408 Go de RAM, disque dur 1 Tera, carte graphique Nvidia 960, lecteur Graphene 1. Windows 10 professionnel STP. Oh oui, tu feras tourner. Limite, mais tu vas faire tourner. It's your mapping, yes. Fancy, it's my. Comment on dit carte? Map. My map. Map. Coûte combien l'ensemble? Volant, pédale, etc. Alors, moi, mon volant, je l'ai payé 240 euros sur Price Minister. Moi je me suis toujours demandé un truc, c'est est-ce que Dora l'Explorer Prix en version anglaise, ils apprennent le français. Et mon Justice, c'est un Thrustmaster T-Flight X. Ah, tu les as emmenés carrément au bout, les palettes. Ouais. Oh là, la lumière, faut qu'elle sorte du ruisseau. Et cette marche arrière. Non, elle va pas être sur PS, non, malheureusement. Ah. Bah tiens, je vais te filer la pailleuse. De marche arrière que je viens de te faire là. Ouais, j'ai vu. Puis on va pailler les cochons. Mais t'as vu, il est bien rangé cette pailleuse. Hein? Je dis, elle est pas moche cette pailleuse. Bah, c'est une Girax. Connais-tu Rick et Morty? Non. Dora is English, is not French. Fancy, comment on dit? Merde. Ah, mais ça veut dire qu'il comprend le français. Ouais, tu comprends le français, je sais plus comment on est. Ah putain, je sais plus. Eh. Oh, je suis en vacances, comment ça? Hein? Débile. Il te répond en anglais, mais il comprend le français. Ouais, ouais, ouais. Guy, je pense que sur les 1000 vaches, vous devriez réparer les véhicules quand vous aurez de l'argent pour qu'ils coûtent moins cher. Ouais, bah ouais.
Alors recule un petit peu, Cyril. Que je puisse prendre ma fourche. En gros, quand tu achètes plusieurs choses à la concession, au bout d'un moment, les véhicules s'empilent. Ah bah ça, oui, si t'achètes 50, mais comme sur toutes les cartes, hein. Ou dans ces cas-là, faudrait que je fasse une concession immense. Je sais pas du tout, Alexandre. On y travaille. Tu joues sur un serveur privé. Ouais, sur un serveur Vergame. D'ailleurs, merci à eux de nous fournir un serveur Vergame. Pour pouvoir tourner nos vidéos. Tu feras du PUBG, c'est possible. Par contre, il y en a un qui peut me désangler les ballots. Ah, moi, je peux pas venir sur PUBG. Pourquoi tu peux pas venir? Ah, mon alim, hein. Ah, PUBG, il te fait aussi sauter la lime? Ah bah oui, à chaque fois, oui. Et qui a fait tout bouger, hein? Non, j'ai dit décharger les... désangler les ballots, pas bouger le plateau. Et il faudrait que je m'en occupe, un de ces quatre de cette allume. Ouais, parce que ça commence à faire un petit moment. Ça et mon processeur. Faire les deux en même temps, comme ça au moins. Tu vas y arriver, Joe, ou... Bah non, j'arrive pas. C'est R pour descendre. 1.7, là, au moins je suis tranquille. Tac, en 2 secondes j'ai fait. Du coup, c'est pas désanglé. Oh. J'ai une question, pourquoi il n'y a pas eu de 1000 vaches? Parce qu'il y a eu Noël. Noël. Noyeux Joël. Noyeux Joël. On a fêté Noël aussi, donc... Noyons Joël. Ouais, on a une vie aussi. Hein. Oh, l'autre, il dit qu'il a une vie alors qu'il a pas de vie. Lui, sa seule vie, c'est faire plouf les motos. J'aimerais trop m'en racheter une d'ailleurs. C'est rien, c'est pour la foutre à l'eau. Non mais, ravance un peu Cyril. Une vraie, mais faudrait que je passe le. Enfin une vraie. Hop. Une moto de route, faudrait que je passe le permis. Bon, j'espère que ça va faire. J'ai commencé à mettre des sous de côté là. Ça justement. Allez, tu te débrouilles Cyril. Ring. La petite côte là, elle est raide. Hein. Là, faudrait presque que j'enlève la barrière, là. la deuxième barrière. Là. Non, en fait, là, justement, elle te permet de bien passer. Il en faut beaucoup encore des cuves d'eau? Non, c'est bon. J'en ai rapporté 3. Ouais, c'est bon, ouais, on a... Bah faudra en donner nos cochons du coup. Alors la flotte aux cochons, c'est où déjà? Je peux pas vider. Viens plus par là, ouais. Et où? Là. Faut que je fasse le tour? Non, elle est à l'intérieur. Non, je fais demi-tour là. Vider. Bah attends, je l'ai fait tout à l'heure, pousse-toi dedans. Non, ça se trouve c'est ailleurs. Non, il est là le trigger, je l'ai fait tout à l'heure. Ah, tiens, on l'a dit. Ouais, t'étais trop collé. Ah bah non, bah merde, je l'ai fait tout à l'heure. Bah. Ah, mais. Qu'est-ce que c'est cette connerie? Je l'ai fait tout à l'heure. Ah, là, il est là au milieu. Ouais, faudra que je regarde mon trigger. Ça manque là des newtons. Non. Enfin, moi personnellement, il me manque pas. Moi non plus, hein. Bah là, je pense qu'ils sont full les moutons, non? Bah. C'est quoi ce délire? Yo Forza! Kazi-H! Ouais, sympa ton pseudo. Ah. Kling. Y'en a un qui chatte sur Facebook là. Ouais.
C'est en train de soulever de la gonze là, non? Ah mais c'est qui? C'est pas moi. Bah c'est pas moi. Ah bah c'est Joe alors. C'est toi justement. Ah c'est Joe aussi. Putain, et je l'ai fait tout à l'heure, paillé. Non, Snapchat c'est mieux. Et nul Snapchat. Chat roulette. Ouais, non mais non, tu peux pas tout faire sur chat roulette non plus. Merde, par contre je suis en train de me remplir d'eau au lieu de la vider. Bon, faudra que je regarde mon trigger de paille là parce que ça me... Je l'ai fait tout à l'heure. Bah, essaye de le trouver, Cyril. Il y est parce que j'ai réussi à le vider. J'étais un jeu Spintir, un Cultura, un disque. Je mets dans mon ordi portable et il ne se passe rien. Je comprends pas, aide-moi. Bah là, je peux pas te dire plus. Bah si, il lance le disque peut-être. À moins que c'est pas dans ce sens-là, il faut déplier la buse. Ah bah peut-être, ouais. Fait, peut-être de l'autre sens, ouais. Bah si je fais F5, le trigger normalement il est là quoi. Je vais ranger ça en bas, game. Mais je sais qu'il a multi-trigger. Ouais, il va le ranger en bas. Je sais qu'il y a multi-trigger donc ça peut poser problème en multi. Bah pourquoi tu parles pas français, Fancy? Il en a mis plein l'écran. Non, le salut bras. Yann. Le bras et le joystick. Ah. Ah, comme ça glissera mieux. Bon, Marc Thomas, moi je l'avais fait avec la pailleuse de base. Tu me cherches aussi. Non. C'est pas la peine de te coller trop près. Ah bah ouais. Bon bah il faut que ça soit dans le bon sens. Par contre, tu peux éviter d'envoyer contre le mur et plutôt à l'intérieur. Bah c'est écoute, cool. Je sais pas comment on la tourne, la souris. Là. Mais là c'est full donc. Tu vois, dès que je lâche, elle revient. Vous pouvez faire du lait de soja, ça serait cool. Non, après, je sais pas si ça coûte cher le lait de soja. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que tu dis, Cyril? C'est quoi comme animal? Elle revient automatiquement, c'est pour ça que je comprends lait pas. Lait de soja. Ah, par contre, j'ai mes cochons. Je dois avoir mon chat. Ouais, ils sont full. J'ai déjà dit qu'ils étaient full. C'est pas drôle. Alors que je viens de l'acheter, bah là je peux pas te dire. Mes amis du travail me nomment Bart. Oui, je sais, Renaud, merci pour tes 5€, mais je t'avais déjà dit. J'ai dit aïe caramba en plus. Je crois que c'est des amis de travail le nomment Bart, mais je suis pas sûr. Les potos, oui, c'est possible de jouer avec moi tous les vendredis soirs. Enfin, à la rentrée, ça sera un vendredi soir sur deux par contre. Parce que quand je serai de soir, voilà. Donc merci à Renaud. Personne à colonne, il faut faire 2 mètres pour l'atteindre. Bah, c'est une belle perceuse à colonne. Ah ouais, déjà l'établi. Tu prends un escalot, bon, c'est dessus. Donc, donc je sais plus ce que je disais, tiens, du coup. Je sais plus. Bravo. Ah oui, un vendredi sur deux, le live à beau. Pourquoi? Tout simplement parce que quand je serai du vendredi soir, d'après-midi, ça me fait trop courir pour faire un live à beau. Donc du coup, voilà. C'est quoi ton métier? Je suis électricien poids lourd. Faudrait remplir... Ah, faudrait aller chercher une benne de colza ou de tournesol ou de soja, les amis. J'y vais. Hop, et éventuellement, Clément. Oui. Tu prends ton tracteur. Oui. Tu reprends ta citerne et tu vas acheter du fertilisant liquide à la coopérative. Coopérative, FD, bordel là. Ouais. La pailleuse est trop haute, ah, c'est possible, ouais, il a peut-être fallu la baisser, ouais. Et Cyril nous a fait un bug. Non, je suis là, t'inquiète pas. Ah, j'ai des lags, moi. Je répare pas, je fais... Non, je fais pas. Je fais le câble... Enfin, si, je fais le câblage pour les... Pour les camions frigorifiques. Guy, la paille pour la... Ouais, faudrait que je regarde ça, ouais. J'ai vu.
Combien de citernes tu veux? Un. T'en prends une. Deux, six, une, 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 une. Ah, par contre, là, faudra que j'augmente la taille de mes... Ouais. Elles sont pas assez hautes. Faudra qu'on décolle. Faudra... Putain. Et qui c'est qui m'a mis le... J'avais pas envie de jouer avec ce soir. C'est quoi comme marque de camion? On fait tout. Volvo, Mercedes, Renault, Scania. On fait tout. Et la marque c'est Lambray. Non, on en a pas mal les trucs Lambray. On voit souvent des. Ouais. Des caissons Lambray. Je vois les petits cabas dans maintenant. Ouais, c'est pas faux non plus. La dernière fois, on en a un qui a cramé, camion Lambray. Tu fais comment pour avoir des partenariats? Bah, il faut démarcher les partenaires, tout simplement. J'ai fait quoi de mon godet, moi? Là-bas au fond. Il était au fond. À droite. Et je me pousse? Non, c'est bon. Tu reprends la benne, Cyril, on va mettre du blé dans la machine à semences. C'est Lambray à Saint-Cyr sur Menton, n'est-ce pas Guy? Oui, c'est ça, Dougui. Ah mais merde, j'ai pas le godet. Ah, quel con. Pourquoi t'as pas le godet? Bah, j'ai pris une griffe. Ah, c'est dommage. J'ai pas pris un godet. Impeccable. Faut aller chercher le godet, du coup. Bon, attends, je vais le mettre là-bas. Les moutons, on peut les pailler. Non. Non, et à première vue, c'est impossible de les pailler dans le jeu tout court. Moi, j'ai plus qu'à t'attendre. Là, le Forza. Mais pose au live, ouais. Oh là là, il y a un LFD qui est ici. Bah, de toute façon, des Lambray, vous en croisez partout en France, hein. Voire même partout en Europe. L'autre jour, on a fait un camion pour les Norvégiens. Ah bah purée. De la Norvégie? Ouais, pour les Norvégiens. Oh, la Norvégie. La Norvégie. Ah non, mais... Ah, puis on a fait... C'est des collègues qui me disaient... Ils ont même fait un camion frigorifique pour Dubaï. Ah ouais? Ouais. Machin, il paraît qu'il était énorme. En or et tout? Non, pas en or, mais c'était un tout-terrain, déjà. En plaqué or. Ah ouais? C'était un tout-terrain, il est énorme, quoi. Alors, t'as eu ton code. Il est bien le G29. Oui, il est bien le G29. Salut, Bad Tutos. Putain, il roule sur la route et pendant les... Où as-tu téléchargé le 6R? Sur les sites de mode. Logiquement, tu peux prendre le grain avec les griffes. Ouais, bien sûr, ouais. T'as déjà essayé de manger de la soupe avec une fourchette? c'est très facile. Tu chopes que les croutons. C'est très facile, hein. Guillaume. Sauf qu'à un moment, tu jettes la fourchette et tu bois directement. Non, Chouko, il y aura pas, tout simplement. Pourquoi? J'essaye d'alléger au maximum la map, parce qu'il fait déjà 1 giga 3. Donc si je rajoute, on va vite tomber dans les 2 gigas la map, quoi. Alors la vraie question, c'est est-ce qu'on boit de la soupe ou est-ce qu'on mange de la soupe? On déguste de la soupe. Et paf. Ouais, mais non. Là, je t'ai niqué. Là, je t'ai niqué. C'est une question existentielle, quand même, hein. De soupe, ah oui, ça reste que de la soupe. Il y a un truc que je vous ai pas dit. Les petites bites blanches là sur le bord de route. En physique. Ouais, on s'en doutait. Bah le problème c'est que si je mets un bâtiment, Chunko, tu pourras pas la mettre dedans. Puisqu'il va être physique. Donc si tu pourras pas mettre ton truc à l'intérieur, quoi. Et on mange de la soupe à la cuillère. Euh,
c'est dans... Je me rappelle plus le belge, ça fait longtemps que j'y ai fait. Merde. Tiens, du coup, je me suis planté dans le... c'est dans les tops, je crois. Ouais, ça doit être dans les tops. C'est quand on retruque STP? J'en sais rien du tout. M'appelle pas Forza, mais Kaz, c'est plus intime. Bonsoir, Kaz. Oh, comment vas-tu, Kaz? Kaz. Le jus d'orange. Kaz, toi bien? Bon, du coup, je voulais prendre celui-là tout à l'heure. Bah, j'aurais dû prendre celui-là, mais je prends celui-là. Hop. Voilà. Tu vas faire du PUBG ou pas? Je ne sais pas. Non, on peut pas le vider directement, faut le mettre en l'air. Hop là. Je trouve que le trajet sur la map magasin ferme, c'est long. On s'ennuie sur le trajet, c'est trop plat. Après, c'est mon avis. Bah, j'aurais bien fait le truc qu'il y a sur le réel, mais c'est techniquement impossible. Donc, je suis obligé de faire comme ça. Tu connais Magirus Dots et Berlier. Berlier, oui, je connais, mais Magirus Dots, non. Berlier, oui, ça je peux. Merci, Karzirash. T'as lu mon message ou pas? Je sais pas du tout, Romain. Les moutons, tu les peux les payer dans farming, tu mets un bâtiment de vache, tu peux les payer. Non. Parce que mon bâtiment de vache, il est déjà là. Et si t'as pas de vache, tu pourras pas payer tes moutons. Je crois que c'était pas possible de payer les moutons. Yanmar, oui. Yanmar, c'est... ils font des... Si je dis pas de conneries, c'est des scooters des mers. Et des bateaux, je crois. Au fait, ta map, elle est tirée d'une vraie région où tu as mis les bâtiments comme tu veux. Alors, la route, là, principale, est réaliste, puisqu'elle existe réellement, le tracé existe, les maisons autour de cette route sont réalistes. La ferme des cochons. Hein? Dans le Seedmaster. Ouais, tu le mets dans le Seedmaster. Il est où? Il est derrière au fond de la ferme. C'est près de moi. Il va comment? Comme tu peux y aller. En tracteur. Donc la route là où je suis, elle existe réellement. Le petit torrent qui passe, pour le coup, il est beaucoup plus petit, hein, mais voilà, pour rentrer dans farming, c'est pas évident. Donc du coup, il existe réellement. La route, toute la route, elle existe, hein. Après, j'ai habillé un petit peu parce qu'on peut pas faire 100% réel. Tu passes sur le côté de la stabule. Ah, d'accord. Bah, Thibaut, il suffit juste d'aller sur le site internet. Je peux pas t'en dire plus. Tu retournes d'un chez quoi, Joe? Du maïs. Il y en a dans le stockage là. Au pire, ouais, tu pourras prendre une benne. Par contre, les gars, va falloir qu'on économise parce que là, on a pratiquement plus rien pour acheter des semences. Pas d'acheter des semences, d'acheter des... Des semoirs. Des semoirs. Tu me diras quand tu peux vider. Hop, bouge plus. T'es prête? Oui. Ta map pour le non. Alors fais vite. Ouais, bah j'y travaille tous les jours, j'y travaille minimum 2 ou 3 heures par jour. Pour vous dire, ce matin, là je suis réveillé moi depuis 5h30 ce matin.
Il l'a pas dans le jeu, c'est qu'il a un mode qui fait chier alors. On peut vider dans le Seedmaster directement? Bah c'est que c'est un bug alors. Bah essaye Cyril, tiens, tu vas essayer de vider directement dans le Seedmaster. Directos dans le Seedmaster? Tu fais quoi là? On est en train de remplir la machine à grains. Pas à graines, pardon. Pour enlever les vitesses, tu fais quand ton moteur est arrêté, tu fais mage droite, point d'exclamation. Ah non, pas pour le moment. Qu'est-ce que tu dis, Cyril? Clément? Ah, rien. Non, rien. Non, faut que tu recules. Non, bah t'es pas au bon endroit, Cyril. Ouais, bah désolé. Tu veux savoir quoi? Bah si tu peux vider. Bah tu peux vider. Bon c'est pas réaliste mais tu peux vider. Et apparemment elle est pleine. Tu connais McCormick? Ouais je connais Mac le comic. Moi ouais, c'est bon, j'ai fini de vider ma cuve. T'as elle est vite vide ta cuve ou Pas elle est vide. Bon bah on est pas mal. Joe prends-en pas de trop hein. Parce que je crois qu'on a même plus de quoi acheter un semoir alors. Hein. On a même plus de quoi acheter un semoir. C'est ça, on a plus de quoi acheter un semoir. Si. Le version. Si, on peut acheter un semoir, ouais. Le petit de base. Non, le. Kune. Oh, ça va, faut mettre deux fois qu'une. Ah, ou on peut prendre le rab à 28 000 en 6 mètres. Ouais, on va peut-être plutôt prendre le rab. Hop. Ah ouais, mais par contre, le rab, putain. Ah ouais, j'ai acheté le rab, mais... Tu me prêtes ton tracteur, Cyril? Juste pour voir. Vas-y. Merci, au revoir. Au revoir. Hop là, merci. Bon, Pierre, faudra décharger les ballots qui sont sur le plateau. Oui, mais bien sûr. À faire de la semençon, ouais, c'est ça. Quel enfoiré, ce gars. Moi qu'il a fait quoi, là? Bon par contre les gars, je sais que le rab, on pourra pas venir jusque... Enfin on pourra venir jusqu'à la ferme normalement, mais... On pourra pas aller remplir au truc là-bas. A plus, Dougie. Débrouille. Prends le plateau avec. Bah le plateau, le problème c'est qu'on a plus d'argent pour le prendre. Mon père a 2 JD. Alors ça te regarde pas, Clément, aujourd'hui j'ai fait 112 km en VTT, j'ai mal aux jambes. Alors moi ce que je te conseille pour ne plus avoir mal aux jambes... C'est plus cher de VTT. Non, c'est de prendre un bon bain bien chaud. Et après un bon bain bien froid. Non, un bon bain bien chaud. Pourquoi il y a le logo Grégoire Besson au lieu de logo Kune? Eh ben j'en sais rien du tout, Thomas. J'ai vu ça l'autre jour. Give de l'argent, non, on est en partie non cheaté. Moi je me remets en stand-by. Mais par contre on va peut-être avoir de la farine à vendre. Je sais pas combien il y en a de produits déjà. Moi je sais. C'est parce que Tuba, la charicune, Fontal. C'est elle qui fout la main. Ah, c'est possible, ouais. Tu ne roules pas vite avec ton John Deere, hein, grosse amende. Pour 100€ d'amende pour Guigui. Ouais, je suis à 40 km/h. Comment il s'appelle le mode pour emprunter de l'argent? C'est le Bank of Agenstead. Dans le jeu, Guigui, on peut prendre les grains avec la griffe. Et pour la soupe, j'ai essayé. Mais les gens m'ont pris pour un con. Du coup, bah voilà quoi.
Ouah, les grains à la fourche, ouais. Bon alors, on va voir s'il peut porter de ce mois. Sinon, on est mal. Putain, il est énorme ce mois. Mais c'est bon, il soulève. Il le soulève combien de temps? Non, c'est bon, il soulève. Ah putain, c'est vrai, j'ai le machin. Ah, je me suis fait niquer encore. Là. Ah. Et tu vas dire que la direction est légère? Ah oui, la direction est très légère. Ça m'énerve ces rétro noirs là. De toute façon, tu verrais rien derrière, y'a le son. Non, je peux diminuer le son de la musique par contre. Hop. Non, je vais diminuer. C'est vrai que je peux monter le son du jeu aussi, ouais. C'est pas faux. Voilà. Sumar, tu l'as où? Alors, le simulateur breton. Tu peux aller sur le site des fermés du dimanche et tu vas l'avoir. Parce que je l'ai sorti en mode. Tu l'as sorti celui-là? Oui. C'est quoi mon rêve? Gagner l'auto. C'est ça. Tu le replies pas, tu peux pas le replier celui-là. C'est pour ça que vous avez une remorque avec. Bonne nuit à Thibaut. Coucou, tu fais quoi? Là, on teste la map, mais je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. On ira peut-être faire un peu de PUBG vite fait. Moi, je reviens. Non, tu vois, là, j'utilise le mode du Gearbox en mode automatique. Du coup, j'ai même pas besoin de passer les vitesses. Guy, j'ai téléchargé FS17 sur internet, mais je n'ai pas de clé. Ah bah ça, version craquée. Mon rêve, c'est d'avoir 50 000 abos. C'est pas un rêve, c'est un objectif. Qu'on arrivera à voir quand, je sais pas, mais... Tu peux pas le replier, le ce mois. Tu les as mis où, les accessoires? Les accessoires de quoi? Ah, ils sont de l'autre côté du bâtiment des cochons. Dans l'étagère. Ah, par contre, là, je crois que c'est là où ça passe pas. Ou alors, si ça passe, c'est au chausse-pied. Au demi de poil de cupré. Bon, normalement, ça frotte de deux côtés. J'ai acheté le volant farming et c'est de la merde. Ah bah ça, on l'a dit pourtant, agrippation. On vous le dit, on vous le répète. On peut utiliser le volant FS sur le Gearbox, oui. Ouais. Bah si t'as pas FS17, il faut l'acheter sur le site de farming. Tu tapes Farming Simulator et tu vas sur leur jeu. Enfin, tu vas télécharger, mais il faut l'acheter. Parce qu'il y a des boîtes, ce qu'on appelle les boîtes CVT. Et du coup, voilà quoi. Ouais, c'est les trucs de scooter. Bon alors lui c'est un sûr peu que plus je... puissant que les scooters quand même. Hein. Lui c'est sûr que je vais pas de l'autre côté. À la base c'est le même truc. Hein. Ouais, enfin bon c'est pas les mêmes hein, quand même. Ah non, c'est pas les mêmes, mais c'est le même principe. Oui, c'est prévu le simulateur 60 qu'on mette, je mette tous les modes sur le site. Je sais même pas comment exactement c'est fait dans un tracteur, parce que ça peut pas être une courroie, quoi. Ah, ça peut aussi. Tu sais que dans les voitures sans permis, ça y est, ça a des trucs à courroie. Mais je sais pas dans les tracteurs. Bah, hein. Tu prends les Toyota, les hybrides. C'est tous des boîtes CVT aussi, hein. Ah ouais? Ouais. Eh bah.
Par contre, Clément, tu me feras le plaisir de ramasser la boulonneuse que t'as laissé traîner. La boulonneuse? Le pétard? Ouais. Ah, mais c'est qu'un détail, ça. Putain, il y a la douille de 28 qui est dessus. C'est les douilles renforcées, regarde. Moi, je vais faire la distri à la... autour. Vous avez quoi comme voiture? Sur le jeu ou en vrai? T'as des courroies sur les tours. C'est possible de config soi-même une boîte de vitesse pour changer P1, des P1 G3, oui. Hey, j'ai réussi à utiliser la perceuse à colonne. Tu m'excuseras. Regarde. On s'en sauvegarde debout. Tu m'excuseras, Clément. Moi, tous les tours que j'ai vus, c'est des tours à pignon. Oui, Mister. Oui. Ouais. Les anciens tours, ils sont en courroie. Ils sont en courroie. Et le mieux, c'est quand même les courroies. Ouais. Mais tu pouvais les mettre de l'autre côté, Cyril. Mets-les de l'autre côté. Là où il y a la benne. Il y en a qui préfèrent les courroies, d'autres qui préfèrent les... Oh putain, tu fais chier. Non, je fais pas chier. Faut que je fasse demi-tour dans le bâtiment. Non, mais tu te fous pas dans la gueule. Bah ouais, attends, je vais t'enlever la benne. Elle va être dispo, Ali, bientôt. Très bientôt. Ah d'accord, ça s'ouvre sur la route, là. Oui. Et fais un petit tour dans la maison, tu vois. Il y a le volet qui se ferme. Ah, avec ses grincements de porte, je kiffe. Putain, par contre, c'est la maison à Hagrid, hein. C'est la maison à Hagrid. Bonne nuit, Clément. Ça fait triper, ça. Ah merde, là, c'est le garage. Pas de ménage ce soir parce que. Ah, je m'amuse à fermer tous les volets maintenant. Ah, ça peut être des pompes hydrauliques, ouais. Ça peut être des transmissions hydrauliques. Ça, c'est pas mal ça, les volets qui se ferment, j'aime bien. Ça donne une touche de... Il y a la ferme des mille vaches qui va arriver dessus. La ferme des vaches, l'amour est dans le JD, pardon, qui va arriver dessus. Et là, par contre, y en a un qui a foutu des hélices sur toutes les fenêtres. Oui, de la poignée. Ouais. on dirait des hélices d'avion. Et vous aurez bientôt une nouvelle série aussi dessus. Enfin, bientôt. Le problème, c'est de trouver le temps pour tourner, quoi. Et est-ce que tu possèdes la benne d'Angreville de la ferme de Cambrai? Comment quand je la remplis, mais c'est bizarre. Non, je l'ai pas celle-là. Voilà, j'ai fermé tous les volets. Ah, mais y'a encore du grain dedans. Oui, j'ai pas pu tout vider. Alors, non, Gérald, c'est pas encore implémenté ça, la lumière. Ça sera peut-être dans la V3 de la map. T'as quoi comme voiture en vrai? J'ai un Subaru Forester. Arrête farming pour ce soir, je dois dormir, mais j'arrête pas si toi t'arrêtes pas. Donc si je fais un live 12h, tu restes 12h, Rémi. Ouf, je sais que t'en as en Belgique pour les remorques convois exceptionnels. De quoi? Pour les convois exceptionnels. Après, j'ai pas toutes. Tu as quoi comme camion en vrai? J'en ai point. Salut Nicolas! Joe, il me dit pas, on va te coucher. Salut Antoine! Par contre, Clément, c'est toi qui paye les batteries ou ça se passe comment? Quelle batterie de quoi? Du tracteur. Pourquoi? Les gyrophares, ça s'éteint? Ah, mais non, mais c'est. Ça a énergie électrostatique. Ouais. Plus ça tourne vite, plus ça se recharge. Il y a des.
Il y a des dynamos à l'intérieur des gyrophares. C'est l'énergie perpétuelle, c'est ça? C'est ça. Comme quand tu branches une multiprise sur une... Non, elle est vieille, elle a 19 ans. Elle va avoir 19 ans... elle a 18 ans cette année. Oh. Par contre, moi j'ai trouvé comment faire une énergie perpétuelle. Ouais, mais il te faut deux moteurs. Tu peux pas faire de l'énergie perpétuelle. Si. Non. Il faut que tu lances deux moteurs. Non. Un qui te sert de générateur, un qui te sert de moteur. Ouais, mais même. T'as la force de friction et la force de friction fait que ton moteur va s'arrêter. Au bout d'un moment, ils vont s'arrêter. Ouais, enfin bon, ça va être très... C'est mouvement perpétuel. Moi, j'ai trouvé comment faire de l'énergie perpétuelle. Tu prends un chat, une tartine de confiture, tu lui mets sur le dos. Ça va retomber sur les pattes. Et c'est pas la tartine va vouloir tomber du côté beurré. Du coup, bah, le chat va tourner dans le vide infiniment et tu l'accroches à un générateur. C'est une vidéo que je t'ai envoyée, ça. Ah, une photo sur Facebook. Non, une vidéo. Non, mais quand tu continues, je regarde, mais si plus pendant 12 minutes. Peut-être une vidéo, je m'en souviens plus, mais sur Facebook que je l'ai vu. Oui. Ouais, Fred, tranquillou pépère. Un petit réveillon tranquillou pépère. Oh, Jou, il a renversé du maïs par terre. Oh. Oui, il y a deux godets ici. Ah non, c'est une. C'est un truc à griffe. Robin, mon deuxième écran se décale. Quand j'ai une page ouverte sur le deuxième écran, ça me met des retours Windows. C'est que t'es pas là. Ah bah, c'est normal, c'est que t'es en mode fenêtré. Déjà d'une part. Et que. Ah ouais, merde, j'ai pas d'armes. Du coup, j'ai fait la réflexion à Clément et j'ai pas fait les miens. Bah, bravo le patron. Et que? Du coup, je sais plus ce que je veux dire, tiens. Et il passe le chien. Et que? Que voilà, quoi. Tu veux quoi, Noël? Je me suis offert un siège. Je te l'ai emballé et tout, quand même. Non, c'est pas marrant. Toc. Ouais, mais non, ça fait pour la masse là. Hop, reviens là. La maison. Oula. Merde, on a raté 22h22. Bah non, y'a pas de lumière sur la map, j'ai tout enlevé la lumière. On va quand même se garer mieux. Oh stop, pas de conneries, vous allez faire planter le serveur. Ah c'est pas moi pour une fois. Il classe d'une lumière. Non mais vas-y, rentre-moi dedans en plus. Bah ouais. Bref, tiens. Je viens de dire le classe. Eh, t'aurais pu fermer la porte, Clément. La porte? Bah, la porte de la maison. Ah. Jonathan, il est là-haut. Jonathan. Allez, tout ça pour le Guillaume. PVG, STP, oui. Oh, il y a deux meufs en fait. Venez par là. Pas. Je me petit suicide. Je préfère me petit suicider plutôt que d'avoir affaire à Clément. Ah oh. Il y a le fermier du samedi qui demande si à Clément si il peut venir faire du VTT. Bah viens. Ah, mais c'est vous bon, café un peu dans les champs. Pas ce soir. Enfin, c'est un peu plat. Hop. Bon les amis, hop, on va passer à du PUBG. Ok, je vais essayer de venir jouer.
Moi, Noël, ma petite femme m'a fait un cadeau de 44 DLC d'Euro Truck. Con. 80 euros, c'est de la balle. Putain. Vous avez eu quoi d'autre après la team là comme cadeau de Noël? Moi, rien. Non, rien. Il a pas été assez sage pour ça. Et toi, Cyril? Moi, je suis de là. Mais quoi? Et Clément, il habite dans le sud. Donc les amis, n'hésitez pas à aller sur le site internet, hein, vous pouvez vous inscrire si vous voulez. Et vous avez la rubrique mode. Rubrique mode où vous retrouvez tous les modes. Alors, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, il y a la map, deux tracteurs. Vous avez le Massey Ferguson et les 1000 vaches, le T7 à la recherche de ma ferme. Vous avez une moissonneuse, la moissonneuse des 1000 vaches. Et vous avez le saumoir, bah, là que j'ai ramené ce soir, là, le rab. Voilà. Le rab. Hop, on va couper la musique. Mais et en script, vous avez le Chopestro qui est nécessaire pour ma map. Hein. Je répète, elle est nécessaire pour ma map, le Chopestro. Voilà, pas nécessaire. C'est mieux de l'avoir, ça vous fait une étape d'engrais en plus. Bah pour Noël, mon frère et mon père m'ont offert une canne à pêche à 300 balles. Bah purée, j'espère que tu vas manger du poisson, enfin manger, récupérer du poisson. Bon alors, hop, on va quitter Farming. Crac. Et on va lancer PSUBG. PSUBG. Clément est le seul que j'aime car c'est le seul qui vient du sud. Eh ah, peu cher, okay. Moi aussi je viens du sud hein. Non. On peut tous en venir à du cagole. Sud. Cagole. Vous êtes forcé. Les vieilles cagoles de Marseille. Tu sais que... Jonathan habite où? Il habite à Amiens. Du sud. Ma cousine est venue d'Avignon. Ouais. En quoi? En 10 secondes j'ai chopé l'accent. Oh putain du con. On n'a pas beaucoup d'accent nous, ce qui est vrai, vraiment vers Marseille et tout là-bas qui a. Ah mais Avignon elle a pas mal d'accent. En PUBG, c'est un jeu de Battle Royale. C'est un jeu de Battle Royale. On va pouvoir jouer avec vous à PUBG quand? Je sais pas Nico, parce que bien souvent on est fou dans la team. Bah y'a Nessus. Vous m'invitez? Nessus? Puis moi quand Farming se sera éteint. Bon, on va attendre. Team poil ou team pas poil? Team moitié à poil. Team poil. Ah là par contre c'est team poil hein. Oh putain. On est en live. Arrêtez tout, poil. Ça fait plutôt de la Jonquera que de Montpellier. Mais je suis pas loin de la Jonquera. Ouais, il y va tous les week-ends. Oh, putain. Non quand même pas, ça coûte cher après. C'est quoi qui coûte cher? Oh madams. Ouais, toi, je suis plutôt sûr que tu vas plutôt au fucking Booboy. Non, madame, c'est la mode en ce moment. Tous les jeunes, ils vont là-bas. Je suis allé dans l'Ain vendredi, j'ai pensé à toi. T'étais où, Constant? Team Poil, salut, je te suis de la Suisse. Salut, Matt. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, les amis, on devrait être à 500, là, au moins. 500 pouces bleus, ça devrait le faire. Oh, Dallas. Dallas. Salut, c'est dépassé de Dallas, c'est fini. Alors, en fait, pourquoi j'ai fait un skin de fille? C'est parce que le skin de fille, dans les jeux, bien souvent, est plus petit. Ah, il y a une plus petite hitbox. Voilà. Et il est plus petit aussi en largeur. Si vous regardez par rapport aux autres. Voilà. Non, Fortnite, je n'y jouerai pas, j'ai regardé. Je déteste les graphismes. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il ait une plus petite hitbox parce que quand tu regardes tes bras, comment ils sont écartés de ton corps. Bah, enfin, en théorie, c'est plus dur à viser quoi. Nous donner un indice du mode de demain sur le site Guigui. Je suis passé à Saint-Martin il y a 3 jours. J'essaie de trouver une piscine, mais pas trouvé d'air. Bah, ma piscine, tu la vois pas de la route alors. Je vous invite tous chez moi, lol. ETS2, SCP, non. Joe, c'est bon ou. Ouais. Merde, j'ai failli démarrer PUBG. Alors moi, évidemment, à chaque fois, je suis en immersif. En immersif. Bah, je mets le son beaucoup plus fort. Ah bah ouais, moi c'est pareil. Pouce bleu direct au travail avec la LFD, toujours de plaisir. Moi, t'es sur la route, Yuan? Bonne nuit, la LFD, ma blague du soir. Qu'est-ce qu'il y a, un buisson? Putain, au bord de la route. Une portugaise qui fait du stop.
Oh non, c'est dégueulasse. Perso Guigui, Fortnite, niveau graphisme, il est dégueulasse. Voilà, Rome. T'es d'accord. Alors, le gamer, alors, l'indice du mode de demain, c'est que pour l'instant, je l'ai encore pas fait. Ah, je passais sur l'autoroute, je rentrais de livraison. As-tu pris la maison animée ? Non. Hop. Sous Google Maps, ta maison est facile à trouver avec la piscine et l'usine derrière chez toi. Hop. C'est bon, tout le monde a chargé ? Bon bah, radi quand vous êtes prêts. Play. Ready. Carotte. Oh, 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 abricot. Flageolet. PBG, je crois qu'il vaut une trentaine d'euros par là, vingtaine d'euros. Ouais. L'eau, le lin, c'est bien à côté du doux, non ? C'est un petit peu décalé. Oh, ils ont changé le lobby aussi. Oui. Elles sont où les armes ? Il n'y a pas d'armes dans ce lobby là. Ah, t'es dans la nouvelle map ? Ouais, non, il n'y a pas d'armes. Ah merde. Ah, c'est nul. Je suis sûr, il y en a qui sont cachés, c'est obligé. Non, non. Non, ils ont pas mis. Putain, il y a des rollbacks. Oh. J'arrête pas de rollback là. J'ai pas encore chargé là. Ça, c'est bien d'avoir SSD, t'arrives avant tout le monde. Ouais, bah moi je l'ai mis sur SSD, mais. Moi aussi, c'est pareil, il est sur SSD. Non, ouais, mais il était sur HDD. Le premier chargement est toujours un peu long. Il était sur HDD, du coup, je l'ai passé sur le SSD. Ouais. C'est bien mieux. Ouais. Il est immense. On fera un live 1000 pouf pour le 15 août. Bon, je pense qu'on fera même plus qu'un live 1000 pouf. Hein ? Ouais, je sais, je suis dedans là. Oui, non, mais tu peux revenir après quand t'es sur la partie. Hein. Quand t'es sur la partie, tu peux y revenir dedans. Et j'ai toujours dit qu'on essayait de revenir, mais. Pour voir le loot qu'il y avait dedans. Parce qu'à mon avis, ça doit être un loot de malade qu'il y a. Faudra essayer. Et ils ont changé la map du coup. T'es loin de Clermont-Ferrand, assez, ouais. Ah, ils ont changé la map, hein, du coup. Non, je crée ma map, Erwan. Alors. Ah bah oui, carrément, ils ont changé la map. Oh, putain. La map, elle est pas au... Comment ça s'appelle ? Là, ça va sauter prison, là. Ouais, Guillaume, moi, je pense qu'on va aller là. Bah où ? Ah, ça fait loin là. Hein. Puerto Paraiso. Bah ouais, mais où on essaie de se faire les petites baraques au sud là. Ouais, on peut essayer d'aller là, ouais. Point ouais, dangereux. On peut essayer d'aller par là. Merde, j'ai sauté. Quel con. Bravo. Bon bah oh, pas, bah, pas allez, mon bouton. Saute. Il est où ? On va où ? Il est là-bas. Ah putain, j'ai toujours pas fait mes touches moi. Du coup, je vais sur les baraques là. J'ai avec Guillaume. Pas vider des grains dans la machine à graines. Ah bon ? Bande ouais, de merde, ouais tout, je, fais chier. Je sais, on est une bande de merde. Et on est fiers de l'être. Putain, faudra que je refasse mes touches, moi, les gars. Pourquoi ? Oui, faut refaire un peu les touches. Parce que ? Parce que j'ai bah, fait mes touches, elles ont changé, moi. Oui, pour le parachute, elles ont changé, Guillaume. Ah, ouais, bah moi, elles ont pas changé parce que je suis en QWERTY. Ah bah ouais. Voilà. Voilà. Que pour alors le en plus, on a un buggy. Roll tag, roll back, hein ? On a un buggy juste, en, juste devant. Putain, ouais. Mais j'ai 100% roll back ouais, là. Trop pour le buggy. Ah bah. Ouais, moi j'ai que roll back aussi. Et je crois que c'est les serveurs en 4 qui ont les roll back. T'es que pour le parachute qu'ils ont changé les touches ? Ouais, ouais, ouais. Gilet à niveau 2, niveau 1. J'ai encore un gilet là. Putain, j'ai que des pompes. Et chier. Des chaussures ? Ouais. T'as planté, Clément ? Non, je suis en train de refaire mes touches. D'accord. C'est bon. Je vais te dire, moi, ça. À chaque fois, je dis dans le lobby, faut que je la fasse. T'as trafé Phoenix. C'est une grenade assourdissante, c'est pour te dire. Salut, regarde. Comment tu fais pour regarder dans le viseur ? Moi, je fais clic droit. Putain, mais il y a. Génial, sérieux. Une fumigène. Dans ces baraques, il y a zéro loot. Ah, si, il y a un sac. Ouais, j'ai eu un gilet, bon. T'as fait la grande, toute grande ou pas ? Non, ça me dit rien.
Bah t'es dedans alors. Bah je suis en train de la faire là. Oh bah un pont tiens. Bah, tu vois, moi, j'ai... par contre Joe il est où? Il est pas avec nous Joe. J'arrive. T'arrives. Ah non, oui c'est bon il est pas là. Que dalle quoi. Bah on va aller dans la ville au-dessus hein, tant pis. Joe ne joue pas avec vous, Cécile, avec nous. J'ai un gilet de police niveau 1 les gars là. Ouais mais moi j'ai déjà. On va au-dessus là, dans l'espèce de carrière. Il y a peut-être du monde mais tant pis. T'es obligé de jouer en multi ou il y a un solo? Non, que multi. Le 9mm, pas le 16mm. Je peux te défoncer ton genou là. La zone ça donne quoi? J'ai tout looté hein. Oh putain on est bien dans la zone là. Pour une fois. J'ai eu Fortnite. Fort tu es où? Fort bah je sais pas, il est pas là ce soir du coup. Du coup tu vas aller où Guillaume? Là-haut? Je suis là-haut, dans la... T'as personne là-haut? Bah là où je suis, y'a personne. Putain, le 7.1 c'est impressionnant quand t'as la vie. Il aurait pas pu nous le lâcher là, lui. C'est la première fois que je joue avec l'option là. Le config à Jonathan, il a un petit PC portable. Mais je pourrais pas te dire exactement sa config. Oh, ça tirouille, hein. Ouh, y'a une Winchester. Ouais, ça tirouille, mais c'est loin. Ah, pas si loin que ça quand même. Ouais. Ah putain, il y a des rollbacks. Un sac, déjà, ça c'est bon ça. Tu connais Fortnite? Oui, je connais Fortnite. Oh! C'est quoi comme balle ça? Dommage, j'ai pas les balles. Dommage. C'est bon, t'arrives à suivre, John? Ouais, ouais. Vite fait. Oh, oh hein. Putain, drôle back. Pourquoi t'as pris ça, toi? De quoi? Tu veux? C'est des trucs de... pour flingue? Non, c'était un pour SK-12. Ah ouais, bah on va du prendre le genre. T'as fait tout le haut, Guillaume? Ouais. Par contre, faites gaffe quand même s'il y a pas du monde. Hein. On va y aller en haut de ces silos là? C'est bon ça, Karel. Je t'ai pas dit de prendre la. Bon, je suis à la Winchester, moi. Moi aussi. Sur PS4, oui, il va sortir sur PS4, je crois. Par contre, j'ai pas de sac, les gars. Si vous en avez un. Bah, ouais, si j'en trouve un, je te le dis. Ça marche. Ah non, c'est un SKS que j'ai. Ouh. Là, j'ai un casque où je suis. Par contre, à première vue, on est tout seul là où on est. Ouais, non, pas sûr. Si. Je veux dire, j'en entends de taper là, c'est l'air. Non, c'est loin. Je crois que les gars, je suis allé monter à un endroit, il n'y a pas de loot. Regardez au-dessus de vous. Ouais, tu vois, je m'en fous de là où t'es, je suis dans le bâtiment. Où je pourrais trouver le mode pour la pulpe de betterave, le mode j'ai huile. Un sac, le mode huile, normalement, il ne va pas tarder à arriver sur notre site. Normalement. Et mode pulpe de betterave, je sais pas. Ça c'est fait. Putain, y'a rien. T'es sérieux? C'est quelqu'un d'autre. Tu vois quoi comme jeu? Oula, j'en ai plein. Bon bah là, y'a plus rien. Ah, t'entends péter parce que c'est la zone de bombardement à côté. Vache! Ça va là. Ouais, où c'est que t'avais un sac? Viens voir.
Ouais, quoi. Bon, bah, ça va jouer à la Winchester, hein. Alors, pas ici, l'autre. Oui. Là, y a un sac. Et puis, comment on fait pour charger déjà? R. R. Bon, tu vas aller où, Guillaume? J'en sais rien. Fais tous les bâtiments en face. En face. Les là, gros là-bas, non, je suis pas allé. Non, je suis pas allé là-bas. Ouais, j'avais hésité à y aller. Bah, let's go. Guigui, cours, forest, cours, lol. Bonne nuit, prochain qui a un. Et même pas un truc à mettre sur mon arme, quoi. Cours, Far West, cours. Ah, la dèche totale, quoi. Bah, puis moi. Puis moi, ouais, nous deux. Alors, les grenades, c'est la fête, quoi. Salut, Jean. Quelqu'un veut du 45, je peux vous fournir, y'a pas de soucis. Y'a une arbalète, là, si vous voulez. Ouais, génial. Une arbalète. Ah, mais faut lui rendre. C'est une arbre à lettres. Arbre à lettres. Y'a un micro-Uzi. AR... Ah, un S12K. Non, j'ai un chargeur rapide pour AR, ça intéresse quelqu'un? Ça doit aller pour la S12K normalement. Je prends alors. Je crois que j'en ai déjà un. Encore un sac. J'ai une super PS4. C'est une extension farming, ouais. Il y a une AKM là si vous voulez. Bah laisse-la pour jouer au pire. Ouais, Joe, il a pas d'arme, non. Je prends une balle. J'ai quand même vu un petit flingue, quoi. Bah viens là, Do. Non. T'as la canne. Charge rapide SMG. Ah, une MP9. Dès que vous voyez un sac à dos, vous pensez à moi. Bah là, j'en ai plein, il y en a plein dans le bâtiment où je suis là. Enfin, pas faute de chercher, hein, Joe. Tu es mon youtubeur préféré, merci. Putain, mais il y a vraiment zéro loot quoi dans ces baraques. Ouais, c'est ouf. J'ai un on sac. Pas tombé dans au bon endroit. On est pas allé au bon endroit. J'ai de la 5.56, ça intéresse quelqu'un? Non. Au cas où. Ouh, bah tiens, ah quand même. Hop là. Je pars dans le bâtiment qui est. Chargeur XL. Nord-ouest, moi. Chargeur XL pour AR et SK12. Non, le SK12, je le virais. Ok, donc je vire le SK12. K12, hop. Cross Tactic 400 Vector, on s'en bat les steaks. Je les vire. Ouh, j'ai le silencieux pour le. pour la. La K. Le silencieux pour la K? Ouais. Ça marche aussi pour moi, ça. Ouais, bah, ouais, mais. J'ai eu sur mon AK, moi. Salut. Best case. Ah. J'ai un sac niveau. Je viens de lâcher un sac niveau 1. Quelqu'un fait le grand hangar ou pas? Pas encore. En train. Il y a rien à part un arbalète. Un canon scié. Eh non, mais putain! Pourquoi tu t'es couché toi encore? Bon, alors. Perso, il veut que se coucher. Bon, j'ai qu'une arme par contre, hein. Une arme principale. Moi je dis dans le bâtiment en face, la gueule. Celui-là, je l'ai fait. Celui-là, tu l'as fait? Ouais, dans le bâtiment qui est en face là-bas. Là-haut, ouais. Salut Tommy! Je descends le hangar. Salut Florian! Salut Mathieu! 5.56. J'ai fermé en folie raid. Ah bah enfin. Voiture. Ouais. Qu'est-ce que t'as trouvé? J'ai un SKS, il reste un AKM. J'ai aussi un SKS. Faites gaffe, les voitures. Beaucoup de voitures. Ah ouais, puis ils sont en dessous d'où vous êtes, les gars, faites gaffe, hein.
Par contre, moi, si je trouve une zoomette, ça me... Ouais, moi, ça, là, ça m'irait à mort. Même une fois deux, j'en ai rien à foutre. Ah ouais, mais même déjà, ouais, même un holo ou un truc comme ça, à la rigueur. J'ai une Winchester, si vous voulez. Sans parking. J'entends plus véhicule. Ouais, y'a rien sur le toit. Y'a rien sur le toit. Le grand hangar... C'est tout fait. Ah voilà. Merci Tommy pour le labo. Tu m'as fait peur avec tes conneries là. Je monte avec vous. Ouais bah y'a plus rien à loot là. Y'a plus rien à loot. Non mais au moins qu'on se regroupe. Ah le bâtiment là il est merci fait. Nico pour le labo. Lequel bâtiment est... non je vais pas rejouer à FS17 ce soir. Non pas encore. Raid Nico super. merci pour les raids les gars. Ah merci pour l'abo Loulou. Hashtag raid. Ah, c'est pas évident de gérer un raid quand t'es en plein Fortnite. En plein PUBG. Moi ouais, évidemment j'ai eu les chiottes, salaud. Putain, que dalle dans ce j'ai du 9mm ou pas ouais, j'en ai si tu veux. J'hésite à lâcher la Winchester pour prendre du MP9. Au pire, moi je te prends du 9mm. Ouais, bah je lâche la. Ah merci pour l'abo, Christopher. Demain, tu fais un live, je sais pas. Est-ce qu'il faut une grosse config pour PUBG? Faut une bonne config quand même. Si tu veux, j'ai qu'un flingue, moi. Ah merci pour l'abo. Ah paye. T'as du 9mm J'ai du 9, ouais. Par contre, faites gaffe, faut utiliser. J'ai eu un stack niveau 2. Et merci pour l'abo de France. Tu veux les 9mm Double Xeon, ça passe. Ouais, ça doit être fort. J'ai 200 balles de 9mm. Moi, j'en veux du 9, ouais. Vas-y, viens là. Attends, c'est Guillaume, bouge plus. J'arrive. Et 50. J'en garde un minimum pour mon flingue. Ouais bah touche-toi. Là. Tac. 50 ça te va? Ouais c'est bon. Tu débutes sur PUBG. Ouais j'ai déjà quelques heures de jeu, j'ai une trentaine d'heures de jeu déjà. Bon viseur holo. Hop. Tac. J'ai rien pour mettre dessus ici. Bah écoute, là j'ai un point rouge, ouais génial. Si tu fais tourner FS1, ça doit être mort, ouais. Ça va être mort. Oh, ça fight. Juste à côté. Juste à côté. Quel niveau, Guillaume? Je dirais... à l'autre bout du en village. Plein est. Ça fight plein est. Ouh, sac niveau 3. J'ai lâché un sac niveau 2. Ça fight pas très très loin de nous, ça fight à l'autre bout du village. Plein est, ouais. Moi je les vois dans les maisons. Ouais, mais toi t'as la F4 donc tu les vois. Ah, mais t'as une F4? Non, justement. Ouais, j'ai une F4, ouais. Ah, je les vois, je les verrai bien. Vers les maisons qui ah, sont oui, en Guy, 95. Je remonte de Perpignan, parti hier soir. Oh bah ça a déjà été loot là où là, je suis. Là y'a une voiture en 105 qui passe derrière les bâtiments. Elle part en niveau sud-est. De la zone ça donne quoi? On est pas mal niveau de la zone. Je la vois plus, elle est derrière les bâtiments. Si elle est sur la route principale, elle arrive, elle est sur la route. Fais quoi je tiens? Elle est sur la route, elle non, est non, sur non, la route. Allez, laisse-les fight. Laisse-les passer pour l'instant. S'ils s'arrêtent on les fight mais Ils s'arrêtent à nous. Non. Ils viennent à nous. Non, non, non. On continue. Couche-toi, Jonathan. J'en ai neutre un, hein. J'en ai neutre un, l'autre il est monté. Il est là-bas. J'ai raté. Je le vois pas. Il est où? J'ai buté son pote. Il est dans le hangar, lui. Vu.
C'est bon, mort. Il est mort. Tu l'as eu. Tu l'as eu. J'ai eu. Putain, il a pas de zoom. T'es sérieux, toi? Putain, moi ça va avec la x4. Putain, il a un holo quoi, merde. Moi avec la x4, je me suis bien emmerdé là. Bah, sans rien, j'ai tout niqué. Je te l'ai... Ouais, tu l'as mis la balle qu'il fallait quoi. Par contre, il me faudrait de la 7.62, moi les gars. Bah, il en a un peu sur lui. Et je. Là, il en avait un peu sur lui encore. Putain, mais ils ont pas, ils avaient pas de zoom. Sérieux? Ils avaient aucune zoomette. Super. Boisson, je vais prendre. Bon, par contre, il avait un sac niveau 2. Au pire, je vous filerai, Boisson. Non, je suis vert. Y'en a un qui a. Non, j'ai rien. De quoi? Je vais me foutre une trousse de secours. J'ai des bandages. On retourne dans la barre. On est pas dans la zone. Y'a des bandages, tu veux. On décale sur le point jaune. Attends, il y a une grosse trousse de secours, ça se prend ça. Mais c'est en mer. Par contre. Il est dans un bâtiment, les gars. Tiens, avec toi. Putain, j'avais pris de la 7.66, mais. 7.62. La 7.62, mais il m'en a pas d'orbe des masses. Hein. Je sais pas si les maisons en bas, c'était loot là-bas, faites gaffe, hein. La calvitie, elle va comment? J'ai pas de calvitie. J'ai tellement pas de calvitie que je suis obligé de me tondre les cheveux régulièrement tous les 2-3 semaines. Bonne nuit, Pétou. Venez avec moi, les gars, venez avec moi. Ça a tout été loot en bas. T'es où? En haut. Ah, moi, je vais me caler avec la x4, je vais être trop bien là. Là, j'ai mis une posée verticale sur une. C'est con que vous ayez pas de viseur, les gars. Ah bah parce que là, on aurait tous une zone x4 ou x8, on serait les rois du pétrole. Hein. Ah, pas tant que ça, parce qu'on aurait dû bouger, on serait obligé de bouger. Bah ouais, mais. Xotor, je suis en vacances pendant 15 jours là, et je reprends dans une semaine. À peu près. Qui c'est qui a tiré? C'était un de nous. C'est moi. C'est pas moi. J'ai pas fait exprès. Couche-toi Joe, W. Ouais, W ou C. A plus, je vais regarder Star Wars sur mon PC. A plus. Ah oui, mon Guigui, je remonte de Perpignan pour livraison Bourg-en-Bresse. Et repos au dépôt dans la Bresse, mon Guigui. Ah bah ouais, t'es cool. Tu travailles dans quoi? Je suis électricien poids lourd dans une entreprise qui allonge fait toi, des... Allonge-toi, pas qui fait des camions photographiques, c'est W. Regarde tes touches, ce que c'est. Alors ça peut être soit en dessous de nous. Et on se fait fais gaffe, Joe. Si tu continues, hein. Il y a des bagnoles en 1. En 20. En 20 ? En 20, il y a eu des bagnoles. Vers le hangar là-bas. Ouais, j'ai cru voir bouger. On le trouve où les pulpes ? Je sais pas. Il y a une bagnole qui passe. Elle est où ? Pas très loin. Elle est en train d'arriver. Non, c'est un van. Ils sont derrière nous. Silo. Ils viennent de sortir. Au niveau des silos. Ouais, au niveau des silos, ouais. Ils sont en train de partir. Laissez-les partir. On est plus du tout dans la zone. C'est une team. On est plus dans la zone. Ouais, non, mais c'est bien. On va les laisser partir, eux. Partent. Ils sont descendus, Guillaume, ils sont pas partis. Ils sont encore là. Ils reviennent. Couche-toi, Joe. J'arrive pas à me coucher. C'est W. Je vais faire W. Je prends une balle. Ah putain, on est tous entassés. Ouais, c'est d'où on était. Ils sont là où on était. Avance, Clément. Je peux pas, attends. Bon bah Joe est mort.
Non. Quoi, que dalle de là où on était. Oh, t'as pris une chair là. J'ai pris une tête, moi. Et je sais pas d'où il nous tire. Faut qu'on descende là. Non, je me soigne d'abord avant qu'on bouge. Descendez à coucher. En snake. On va faire abîmer le M16 que le SKS. Va sur ETS2, je n'ai pas les chutes volantes comme... Bah non, désolé. Et la zone rétrécit. Ouh, ça me tire, Et ils tirent au silencieux les mecs. Hein. Eh ben. Pêche-toi derrière les crêtes, Cyril. Ah, ah putain, ça vient vers nous avec un buggy, les gars. Ouais, puis y'a le drop qui va arriver juste en face de nous. Oh, ça va être la merde. Là, je suis en pleine zone. Ah bah là... Moi je la prends aussi, ça y est. Oh bah toi, tu vas mourir. Moi je vais mourir, oui. Mm. On voit plus la vie d'équipe. Ah si. Et en bas. Putain, vous aurez dû prendre mon SKS avec la zoomette, là. Tu te branches toi-même, lol. Ah, très drôle. Bah voilà, je suis mort. Enfin, je déguste là. Bah pareil. Super mal. Guillaume, je crois que je suis mort. À mon avis, je suis pas le taf. Je suis mort. Ah, t'es mort. T'es seul, Guillaume. J'ai quand même essayé d'aller jusqu'au bout, mais à mon avis, bon. Non, mais tu prends cher là, en plus, Cyril. Ouais, non, mais. Non, c'est mort. Tu es seul contre tous. Bah, seul contre 19, contre 18. Attends le largage ici. Attends que les mecs ils rappliquent et tu les tires comme des lapins. Ouais, mais il me reste une minute et. Et les mecs ils vont pas aller sur le loot. Non. Bah, vas-y toi alors sur le loot. Non, vas-y, ouais, en pleine pampa comme ça au milieu. Sachant qu'il y a une bannière à la droite là-bas. Bah, eux ils vont aller au loot. Hein. Non, ils vont pas aller au loot. Tu rigoles ? Non, ils vont aller se mettre dans la baraque. Oh merde! Oh non! Oh la mort débile! Oh non! Alors, Alexis, je pèse, tu vas voir, je pèse, bim! Voilà! La mort conne, quoi. Putain, tu fais chier, Guillaume. Ouais, mais j'avais pas vu que ça descendait si vite que ça, quoi. Oh non, oh, je suis déçu! Putain, rang 6. Frag 2 en plus. Ah mais t'es pas tombé de si haut en plus hein. Ouais. Bah si quand même. Ah non, je suis tombé vachement de plus haut moi tout à l'heure. Bah moi c'est pareil, il y a des fois je suis tombé de bien plus haut. J'ai pas eu autant de dégâts. Donc les mecs, pour ceux qui attaquent sur le physique du poids, je ne vous rappellerai qu'un adage. Vaut mieux être gros que maigre, hein, puisque quand les gros commencent à maigrir, les maigres commencent à mourir. Et si vous n'avez pas autre chose que mon poids pour m'attaquer, bah regardez-vous dans une glace. Merci. Sac à merde. Bah ouais, Zotor. C'est pour ça que t'es là. Je suis là pour te collecter, vu que t'es une merde. Donc je suis un sac à merde. Et oui, Zotor. Tu peux recadrer le jeu. Ouais, je vais recadrer le jeu. Hop. Périphérique.
C'est bon, tout le monde est radis? Attends, pas encore. Non, pas encore. Hop. Pâtisson. Bien joué, bon live, merci Nicolas. Oui. Calme-toi Guigui, laisse parler, c'est grosse merde. Oh bon. Mais non, mais tout ça. Voilà. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Viens là, Joe, faut qu'on. Ça faisait longtemps qu'on avait pas eu Ticou. Faut qu'on te baptise. Bonne soirée, Simatarche, champion. T'inquiète pas, je suis en train de te baptiser. J'ai pas encore chargé, moi. Ah non, mais je m'énerve pas, hein. Oula, loin de là. Ouais, c'est possible qu'il sur ma map, après j'en ai un à secouer. Ah non, tu et bouges les pas. Les mecs vont dire, ouais, t'as pas de vie, machin et tout. Il est quand même 23h et les mecs sont devant leur PC à regarder des lives. Donc c'est pareil, hein, entre guillemets. C'est par là que je vous marave la tronche. Oh, sur le live, et je vois un Guigui avec les cheveux coupés, ça fait bizarre, ça te va bien? Mais non, bah c'est oui, en principe, une fois par mois, je suis comme ça. Ah bah ouais, carrément, Anthony. Hop. Oh. Alors, on arrive par là. On peut se tenter les îles. Ouais. Ici. Bah, ça va être chaud, mais. Bah, ou celle-là, mais l'une ou l'autre, mais. Ouais. Et à mon avis, on a certains, il faudrait pas que la team LFD leur tombe dessus. Sinon, ils se rappelleraient plus d'où ils habitent. Ah bah, carrément, ouais. Alors, si, ils se rappelleraient très bien d'où ils habitent et ils vont pas en sortir de. Ils vont pas sortir pendant un bon moment. Oh, ça saute ou pas dans le. Ouais, l'avion. Ça saute. Bah, tu sais que tu peux regarder ce qu'il y a dans l'avion encore? Ouais. Bah, ça saute pas tant que ça, hein. Ouais, ça saute. Non, moi je les vois sauter. Ah, si, c'est bon. Ça a bien sauté là. Il reste tout bon, moi. Et je crois qu'on a perdu Clément. Hein. Allez, go, on saute. Go! Lionel, j'ai une boîte avec deux maquettes Ferguson à monter et à peindre. Guillaume. Ouais, essaye bah. La deuxième? Bah, j'essaie la première déjà. Parce que même la première, ça va être en Dax. Par contre, je sens qu'on va pas du tout être en zone, mais bon. Bah, je le sens aussi, moi. C'est quoi comme avion? C'est un AC. Je sais pas quoi? Un Hercule AC-130, non? Je sais pas si c'est un Hercule. Bon bah moi je fais la première île, ça c'est sûr. Ouais, je fais la première aussi. Et on est tous ensemble. Ouais, il manque que Clément. Allez, sur le toit. Non, sur le toit. Ah, salopard. Moi j'ai fait sur le toit. Ouais, bah tu vois, moi je suis bloqué, voilà. Hihihi. Y'a rien là-haut? Ça va, Jo, t'arrives à venir sur l'île ou pas? Ça va être chaud. J'ai un casque niveau 3 et j'ai un casque niveau 1. J'ai un. Putain, j'ai le gilet militaire niveau 3, tiens. Ouh, putain. Ah bah, j'ai un autre gilet niveau 3, tiens. Sur le toit? Non, où je suis là, sur le. Ouais, sur le petit bout de toit. Par contre, j'ai pas d'armes pour l'instant, putain. Oh putain, ouais, bah... Oh la zone, oh mon pauvre. Allez, à l'autre. Là, faut qu'on se dépêche à loot et. Elle est à l'autre bout. Bah pas tout à fait encore, ça va. On peut y aller par la flotte. Un AC Ferguson. Ça va être chaud, quoi. Ouh, petit SK-12. Toujours mieux que rien. Alors tu m'as dit qu'il y avait des trucs sur le toit. Oh, on a un bateau. Nickel. Un gros bateau. Tu m'avais dit sur le petit bouton ou sur le grand bout de toit? Sur le toit, en L. L'eau. Pas en haut, non. Bah, sur le toit en L, y'a rien. Si, y'en a un. Oh putain. Ah si, là. Hop là, ça c'est bon. Bon moi j'ai casque et. Vive les fortes personnes.
toute façon, on l'a toujours dit, on est tellement précieux que Dieu nous a rembourré pour être tranquille. Par contre, j'ai porte-sac. Ah bah, porte-sac. Heureux. Heureux. T'as merdé. Ah bah oui, ça y est, la lime elle accroche. Elle a refroidi légèrement, hop, c'est bon, c'est reparti. Non, même pas, il se rallume de suite la PC, c'est pas le souci. Non, mais là, si je reviens dans 5 minutes, je vais recracher, donc ça sert à rien. Ouh, un petit Tommy Gun, ouais. Allez, ça sera toujours mieux que le... Ah bah ça fera toujours un petit sac, hein, c'est toujours mieux que rien. C'est quoi ça? Oh bah dis. M416, ah, M416, encore mieux. M416, le pire, c'est que j'arrive à jouer à des jeux plus lourds, quoi, c'est ça qui est bien... Je trouve ça ouf. Ah, Guillaume. M416 AKM, bim bim. Ouais, bah... Au même endroit. Bon bah, je crois que je suis fait, là. Oh, puis moi, munitions, je suis fait. Un gilet niveau 2, si ça intéresse quelqu'un. Par contre, faut qu'on regarde, les gars. Faut pas qu'on tarde à prendre le bateau. Ouais. Je nous laisse encore une minute, maxi. Gilet niveau 2. Pour ceux que ça intéresse. 120 kilos pour 1m87 maintenant. Celui qui veut venir nous casser les couilles, qui se ramène, qu'on rigole. Ben. Ouais, 1m80... Enfin, 105 kilos pour 1m85, 86. C'est moi, désolé. Qu'on, pareil, qu'on vient de me casser les couilles. Sac niveau 2, tiens. Hop. Bah, ouais, 1m69 pour 92 kilos. 1m69 fin des ouais. Putes. Ah, il est pas grand. Bon, les gars, on prend le bateau. On prend le bateau, on se casse. Il est pas grand, mais par contre, crois-moi que s'il faut taper, je suis pas le dernier. Ah bah oui. Ce qui est bien, c'est que ton centre de gravité est bas, quoi. Ouais. Mon centre de gravité est bas, mais par contre, t'inquiète, je vais l'utiliser aussi. Une lunette x2, bon, ça j'ai pris. Je vous attends dans le bateau, les gars, dépêchez-vous. Ouais. Regarde, j'ai pris un blouson. Et re-si-si. 1m80 pour 110 kilos, moi. D'accord. Et où, Guillaume? Je suis là où je suis. Apparemment, il y a. Il y a quoi? Il y a Mister Joe qui est à la flotte. Il est à la flotte où? Je sais pas. Ah putain, il est beau. Je nage vers vous. On va aller le choper. Ouais. Évite de le tuer, ça serait sympa. Bah, je vais essayer. Bah, dernière fois, tu l'as tué. Ouais, ça va, on peut y aller à la flotte. Oui, on peut y aller à la flotte au sud, ouais. Mais faut qu'on se dépêche. Ouais. Par contre, j'y pense jamais à prendre les sacs, les trucs d'essence. J'en ai pas pris, là. Allez, Joe. Alors la x2 je vais la mettre sur le 416. Cache flamme SMG, ça je vire. Bon ça va parce qu'on est dans la zone qui va se rétrécir le plus lentement là. Ouais. 1m80 59 kilos, t'es gaulé comme un néon non? Ouais c'est clair. À 2m6 pour 100 kilos, ouais là c'est... un bon bébé quand même. Un bon bébé. Puis 2m6, ouais. Ça fait pas gros non plus, quoi. Non. Ouais, c'est ça, l'insette. T'es musculeux, quoi. Ouais, c'est ça, le truc. Bon, j'ai une fois deux, Guillaume. Ouais. On va essayer d'aller par là. Ou par là, même. Après le tout, comme je dis, c'est bien dans son corps. Voilà. Ah oui. Il est bien dans son corps, en bonne santé aussi, surtout. En gros, ça va jouer Tandax avec la zone. Mais ça va, c'est la première, donc...
N'hésitez pas à mettre les pouces bleus, les amis. Ouais, Joe est pas équipé, ouais. C'est pareil, il y a une plateforme pétrolière là-bas. À tous les coups, ça doit être blindé de super armes là-bas. La plateforme, est-ce qu'on l'a sur la map? Je sais pas. Non, on l'a pas sur la map. Hein. La plateforme, on l'a pas sur la map. Guillaume. Ouais, non, mais. Donc, à mon avis, c'est juste un décor pour éviter. Je un sais pas. On peut faire les 2-3 baraques qui sont là, Guillaume. Ouais. Pour Joe. Je vais pas bitcher le bateau par contre. Ah non, bitche pas. J'essaie de m'approcher plus près. Allez, on saute. Joe, c'est pour toi qu'on y va là. Bah, puis un petit peu pour nous aussi quand même. Oui, bah, c'est sûr que si on trouve des trucs intéressants, on va pas les lâcher. Scarel, les machettes. Prends la Scarel, Joe. Quelqu'un. Y a rien sur le balcon. Joe, monte. Monte, Joe. Monte. Il est juste sur le palier là. Casque niveau 2 là où je suis. J'ai la niveau 1. Bon pour Joe, ça. Ah, la salope. De l'autre côté, Joe, t'as du matos pour toi. En haut. Il y a un flingue, il y a tout, là. Ah ouais, il y a ce qu'il faut, là. Il y a un gilet. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oh, petit zoomette x2. Ça, tu prends. J'en ai déjà une. Bah, pour mettre sur mon M416... Bah moi j'ai mis sur le 416. Et en fait bah la... La cage je l'ai mis en full. Quoi? VSS. Hein? VSS. 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 Par contre t'as pas de 9mm? Non, mais ça peut se trouver. Quoi? J'ai le VSS. Ah d'accord, oh putain. Là c'est bien le VSS. Ouais. Ah bah carrément, ouais, c'est l'arme full... Elle est full équipée, ouais. Bah après ça tire du 9mm, donc bon. Ouais, le 9mm c'est pas comme si on en avait pas, quoi. Ouais, mais ça fait pas très très mal. Ouais, tu rigoles, toi. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'elle est full équipée en x8 et tout, quoi. Ouais, oui. Puis silencieux. Silencieux et tout, ouais. Non, elle est vraiment bien, c'est le seul truc qui est dommage, c'est qu'elle est en 9mm. Et après, tu me diras, c'est normal, enfin, le jeu soit équilibré. Ouais, mais le 9mm, pas, hein. Normalement, t'en trouves partout. Là, je vais pas en trouver un truc, tu vois. Y'a quoi dans le fer? Je suis en train de monter. Scarel. Oh, bah, hey, les gars, on va reprendre le bateau, on est juste à côté de la zone, là. Est-ce que je prends la Scarel ou pas? Comme tu veux. Ah bah non, j'en ai 116 balles. Bah bah alors. Mais c'est quoi? Bah c'est bien du 9mm. Ah oui, du 9mm. Ouais, c'est bon. Et les gars, on remonte dans le bateau, on va dans la zone d'après. Ouais. Ou alors on longe la plage et puis on fait toutes les baraques. On longe le bateau, on peut prendre le bateau. Hein. Enfin, quoique, on a encore 2 minutes. Bah ouais, mais la zone est juste à côté là. Elle est juste à côté. Mais je vais prendre le bateau, je vais prendre le bateau, je vais l'emmener dans la zone, au pire vous me rejoignez à pied dans la barque d'après. Ouais, 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 ça marche. Ah ouais, quand tu disais qu'elle était juste à côté, c'est ah la oui baraque, quoi.
On est sûr qu'il y a personne qui va venir de là. Ça va se finir sur la plage. Pas forcé. Pas forcé, nous, la dernière fois, ça s'est fini là, avec Ford. Oh, je file au baraque plus loin, moi. Ah, bah le véhicule a plus d'essence. Ah! Merci pour l'abo! Bon, bah le bateau n'a plus d'essence. Par contre, il y en a un autre de bateau. Ouais, bah prends l'autre bateau. Bah il est plus loin par contre. Pas pour mettre de l'essence dans le compost. Merci, super, continue comme ça. Max, Max, il faut la cote universelle jaune. Il faut la jaune. Et c'est juste à côté de la rampe. T'as un petit. Juste à côté de la rampe, t'as une petite bouche. Ça, par contre, je prends. Est-ce que les vaches sont curables? Oui. Et les. Moutons, les cochons sont curables aussi. 45, j'en ai pas besoin. Également le 45. J'en ai pas besoin. Putain, il manquerait plus qu'un chargeur XXL. Pour passer la VSS en 30 balles. C'est bon, Joe. Il existe XL? Ouais. Oui. Ah bah là, tu te régales après en 30 balles. Ah ouais, il est parti loin là. Allez, je suis dans la zone et ça a pas été loot. Il y a un sac niveau 2, il y a un sac niveau 1. Niveau 2, ça m'intéresserait. Quasiment full. Il y a un holo. Ça, on a dit qu'on était à la team poil, c'est vrai. Hey Joe, il a déjà mis sa petite moumoune. Fumier. Oui, elles sont curables sur la première version. Ouais. Y'a que les cochons qui sont pas curables dans la première version. Et maintenant ils le sont. Et maintenant ils le sont. T'as fait la baraque? Ouais, t'as fait cette baraque là. Oh, mais vas-y, fais pas toutes les baraques, laisse-nous-en un peu. Casque niveau 2. Et de la. L'accord. Ok, moi c'est la 762, ça m'intéresse. Alors, est-ce qu'on essaie de prendre le bateau et on va carrément par là? Je vais aller où? Je me planque. De l'autre côté. Ou on continue sur la plage? On continue sur la plage, remarque. Ouais, on continue sur la plage. Tant pis pour les bateaux. C'est bon, Joe, tu suis? Ouais, je suis derrière vous. Shift pour courir plus vite. Et pour courir vraiment plus vite, tu prends un flingue ou une grenade? C'est ça. Changer la stabule pour celle de la G-Model. Mais comment changer la zone curable? Bah c'est simple, c'est dans le script des animaux. C'est... t'as le manure hip aérien, je crois. Prochain live sur FS17, j'en sais rien. On a une bagnole juste au-dessus, Guillaume. Ouais, mais c'est une 2... Ah non, c'est une 4 places, donc c'est bon. Ouais, c'est une 4 places. Ouais. Au pire, faudra la descendre en bas. Vas-y. Ça va faire un barouf celle-là. Ouais. Putain, j'ai fait me faire écraser par ma bagnole. Merde. Sac niveau 2, ça c'est bon. J'ai acheté un sac niveau 1 si tu veux, Joe. T'as pas. J'ai de la 5,56 là. 5,56 c'est bon, j'en ai assez. Ah la salope. C'est la 762 qu'il me faudrait. J'en ai 119 de 556, y'a plus rien. T'as fait la dernière la petite là? Ouais, j'ai fait. Bon bah, on est pas du tout dans la zone. Oh bah, on va aller là. Où on essaie. Ouais, non, on va essayer d'aller là. Allez, tout le monde en voiture. Allez, Joe! Ah, si t'as fini de loot, Joe. Bidon d'essence, Guigui. Et y'en a où? J'en ai pas vu des bidons d'essence. Non, moi non plus. Alors, par contre, Joe, il est. À découvert total. Hein. Bah, ouais, mais. Oh, ça va, celle-là, elle consomme encore pas trop.
Non, c'est juste qu'elle fait un bruit de poêle à fioul. Hein. C'est ça qui est bon. Ah non, là, c'est horrible. Merci pour le follow. Qu'est-ce que tu fous? Bah, je monte dans la zone. Ah la salope. Ça n'a pas été loot. Bah, tout le monde, il n'y a pas eu de... Oh, il y a un jerrycan d'essence. Je peux pas le ramasser, bien sûr. Il va falloir que j'en enlève un peu dans mon sac, moi. Oh, il y a de la munition du 9 mm. Yo. Du 9? Tu veux que je les prenne? Je les descende? Ouais, prends-les toujours. Ouais. Je les prends, je les descends. .556, c'est bon, j'en ai déjà assez. Ouh, par contre, une autre petite x2. Je prends. Là, c'est pour Bibi. Bonne soirée, Ali. Donc, je confirme, ça n'a pas été loot. 62, ça c'est bon ça. Du 12. Je vais refaire le plein de voiture. Ouais. Il y a plus que 23 survivants, hein, sachant qu'on est 4. Donc ça veut dire qu'il y a 19 personnes encore. On est 3. Ah non, mais oui, on est 3. Et... T'es où? Je fais les tâches. Je vais chercher le 9 là-dessus. 0 lots, je peux le virer. 62, il y en a. RSR, je le vire. 9 mm, je te le donne. 762, je commence à être pas mal là. Je suis à 120 en 762. On reprend la bagnole, on va dans les baraques d'à côté. J'ai filé un holo aussi. Ouais, bah j'ai ce qu'il faut, j'ai un x2, un x8 alors. Pas le dire que t'avais un x8 ouais, va te péter quelque chose toi. Bah j'ai le x8 sur la VSS. Ouais. Ouf, ils sont tous au même endroit les mecs. Oh bah on a bien fait de bouger tiens. Ouais. Attends, je regarde juste la zone. Elle est où? Elle est un peu plus loin, elle est un peu plus loin. Y'a pas grand chose. C'est d'aller par là. Ouais. Alors fais gaffe, là ça va descendre. Moi je suis derrière. Ouh, ça fight. Ça fight au pont là-bas. Ouais. Un coup de boost, un coup de boost. On est dans la zone. Bah à l'argent, on va abandonner la voiture là. Ouais. Oh, ça fight à gauche à droite là. Ouais, ouais. Là je pense qu'il y a du monde. Il y a du monde au pont. Oh oui. Merde. Dis-moi. Non, je vois personne au pont. Là, moi, j'ajoute Snake. Ça tire en face. Ça bouge en face. Tu vois où? Voiture. En 2.30. En 3.30. Il
Et ça tire à gauche aussi, mais je vois pas où. Ils sont en train de se fight tous les deux. Ok, tu n'as pas voulu faire un bac pro. Faites-leur les pneus, ton mec. Où 330. Il y a une bagnole qui est juste en face. Oh putain. Oh, je peux rien faire. C'est trop loin. Ah, trop si loin. Je tire au-dessus, je tire en dessous donc. Ça tire par là. Ça tire dans les baraques en 280. Bah c'est dans les baraques ou pas? Ouais, c'est dans les baraques. Vingt et un survivants. Restez. Couche-toi, Joe, couche-toi. W. Ouais, c'est dans les baraques. W, Joe, pour te coucher. Bah, moi, W, c'est avancé. W, c'est avancé. Bah, ah putain, t'es en clavier QWERTY. Ou c'est Z. Putain, pas dans la zone. Mais alors, pas du tout. Ah putain. Il va falloir qu'on traverse la route là. Ah bah là, on est mal. Ça tire des deux côtés. Oui, bah à oui. Mon avis, ils sont en train de se fight tous les deux. Et on va passer en plein milieu d'un feu croisé. Je vois pas d'où ça tire en face. Moi, je vois plutôt les baraques du bas. Non, non, c'est en haut. Venez avec moi. Ouais, t'inquiète, je te suis. Pidjo. Ah ouais. Il me semble qu'il y a des mecs dans la baraque en face. Hein. Ouais. Ouh, il y a plus qu'on survivant. Ouais, là, il y a eu un gros coup de... Un gros coup de semence. Je crois qu'il y a personne dans les baraques en fait. Ouais, mais les baraques elles sont pas dedans. Hein. Elles ont même pas été loot, Guillaume. Non, mais là nous on est dans la zone maintenant. Elles ont été loot. Regarde. Non, elles ont même pas été loot. Ouais, donc il y a personne dedans. Cool. Je viens de faire le plein de mines. De mine. Dépêchez-vous parce que la zone est rétrécie là. Ouais, ouais, t'inquiète. Et puis celle-là, elle pique. Hein. Venez dans la... Oui, mais venez dans la zone. C'est bon. Vas-y, Joe, monte. Il y a deux mecs en 65. Deux mecs en 65. Loin? Ouais, loin. Pas vu là. Mais je les vois plus par contre. Ouais, mais s'ils sont... si tu me dis qu'ils étaient loin, ils ne sont pas vus, c'est clair. Ah non, non. Oh putain, la zone. Ah la salope. Il nous fait l'en zigzag. Ouais. Ça me saoule, ça. Je crois qu'on va aller d'arbre en arbre, Guillaume. Et plus que 9. Ouh. On a pris une. Bah je sais pas d'où mais. Ouh putain, elle doit nous tirer derrière. Moi je le vois pas. Il a pris deux cartouches. Où ça? Il est en haut sur le rocher, tout en haut. Et je lui ai mis deux cartouches.
Ouais, 3 cartouches, allez, vas-y. Et il me touche pas, il arrive pas à me toucher. Je le vois pas. Par contre, il va plus être dans la zone, dans un moment, il va manger cher. Je le vois pas, Guillaume. Ouais, non, non, mais c'est bon, il est derrière le rocher, gros rocher là-haut. Par contre, nous, on n'est pas dans la zone. Pas encore, on est pas bien loin. Ok, je t'ai vu. Là, il est en train de déguster. Merde. Go la zone, go dans la zone, go dans la zone. On est dans la zone. Et à première vue, c'est tout dans la... C'était tout dans... Ah ouais, putain, y'en a un juste là. Oh. Joy s'est fait avoir. Je suis en train de me faire allumer. Viens derrière le camion. Derrière le camion. Ils sont juste là, les mecs. Ouh, je les ai pas vus. Ah, ils vont essayer de nous grenader. Ouais, ça grenade. Il nous contourne par la droite. Oh putain, enculé. Mais sérieux, putain, je lui mets 3 balles dans la tête. Je lui ai mis super cher. Vas-y, Guigui, plume le... Putain, et deuxième, on finit. Donc ça veut dire qu'il y avait une team complète devant nous. Ouais. Attends, je vais voir la killcam parce que... Je lui mets belle pleine tête, putain, sérieux. Pour moi, il me visait pas. Putain, ils nous ont rush en fait. On pouvait se les faire. On pouvait trop se les faire. On était posés. Ouais, oui. Mais ils nous ont pris gauche et droite en même temps. Ok, bon, c'est propre. Ouais, non, de toute façon, on pouvait rien faire. Gauche, droite en même temps. Et, Ouais, ouais, non, mais là. Ah, on s'était occupé de l'autre là-haut. Ouais. Et en fait, il fallait plutôt qu'on s'occupe de celui d'en bas. Bah, non, mais celui d'en haut, en fait, il y était plus. Il s'est fait buter par la zone à première vue. Mais c'est les 3 qui étaient là, il en restait 3 en fait. Ouais. Bah on était 6. Ouais. Donc top 2 avec 0 frag. C'est ça. Bon, de toute façon les amis, hop, nous là-dessus, tac, on va se laisser là-dessus. Sur un joli top 2. C'est quoi le nom du jeu? C'est Player Unknown Battleground. Voilà. Donc franchement non, bravo, déjà un top 2. On a bien géré quand même. À quand du pour voir l'extension fin du monde. Je ne sais rien du tout. GTA on verra en début d'année. Guigui, j'ai trouvé sur Amazon un DX Racer à 61€. Tu en penses quoi? Oula, 61€ pour un DX Racer. Ça me paraît pas cher. Ouais, moi non plus. Info à mon avis. Donc à mon avis, c'est ouais, c'est info. L'autre de l'autre côté qui t'a ouais. Eu. Ouais, c'est de l'autre côté. Ouais. Moi, c'est celui qui est arrivé. GG top 2, GG à l'équipe. Il coûte combien le jeu? Ouais, il doit être une 30€ à peu près. Une dernière partie, c'est les vacances. Bah, pour toi, c'est les vacances. Pour moi, c'est les vacances. Pour Cyril, ce n'est pas les vacances. Je m'en fous, je suis en pot, non. Ouais, mais on va continuer, mais en... Non, mais attends, moi, derrière, j'ai aussi un montage à faire pour demain. Ah oui, c'est vrai. Ouais, puis moi, j'ai un mode à mettre sur le site, donc non. Yo, Jeff Farmer. Tu fais comment pour fixer le levier de vitesse? Car moi, je l'ai fait, et la vis, mais ne tient pas. Bah moi, il suffit juste de serrer les vis. Non, Thomas, il y a Cyril, il a du boulot à faire, et moi, j'ai du boulot aussi à faire. Donc, bah peut-être demain soir, pour le coup, peut-être demain soir, si vous êtes là. Si vous êtes sage. Donc, on verra bien. Allez, les amis, moi, je vous souhaite une bonne soirée à tous. On va passer au dédit. Hein, on va passer au dédit. Une dernière, allez, juste pour le plaisir. Non, parce que ça peut durer 5 minutes, comme ça peut durer une demi-heure, donc... Ouais. Ouais, et puis tu vas faire un score de merde, donc tu te dis, ah, vas-y, on va faire une dernière voilà, encore. C'est ça. Une dernière. Et... Voilà. Ça en finit pas. Allez, dédié à William Zitch, dédié à Lucas, dédié à Farmer du 54, dédié à Alex Farmer, dédié à Alzo Alex, dédié à Lulu, je viens d'acheter un Driving Force à 25€. Oula.
Et même pas, ils sont bons. Dédia Lucas, Dédia Matisse, beaucoup il y a eu. De quoi ils ont il y a mais là, on n'a pas tourné parce que c'était Noël. Donc du coup, vu que tout le monde... voilà, c'est, je crois que c'est le premier soir en 4 jours qu'on arrive à peu près à se synchroniser en même temps. Ouais, parce que là, c'est vrai que, dédicace à Trambert, temps, dédicace à Fermé Lucas, dédicace à Plokium, dédicace à Les Fermiers du Démanche. Ouais, super, l'autre, hop. Accéder à la chaîne, hop. Voilà, comme ça il se fait passer pour nous, c'est bien. Est-ce que tu peux une petite dernière? Non, non. Dédicace à Hans Nature, dédicace à Hugues, dédicace à Jean-Yves, dédicace à Kilio, dédicace à Romain, dédicace à Le Fermé de Farming, dédicace à De France, dédicace à Cyril Saint-Ouen, je sais pas qui c'est, ce petit fond. Ouais, dédicace à Maxime, dédicace à Lulu, dédicace à Louis-Philippe, dédicace à Hugo. Dédié à Max Max, dédié à Deerfire, dédié à Gamer23FFG, pardon. Dédié à Ludovic, dédié à Hugo, dédié à Mika Gris, dédié à c'est bien, dédié à Modo, dédié à DTP, dédié à Gérald, dédié à Vava, dédié à Nicolas, et dédié à bah, Bonne Nuit. On se retrouve très très bientôt pour d'autres lives. Je ne sais pas quand, je ne sais pas avec qui, je ne sais pas comment, je ne sais pas sur quel jeu. C'est très précis. Mais c'est la vie. Allez, je sais, moi je vous dis bye bye, ciao, et dédié à le matruche. Allez, bisous, bye bye, ciao, bye bye.